que j'ai fixé à 0, il faudra que j'appuie pour qu'il ait marqué Link x3, enfin, le nombre de vie, ça. Non, c'est justement, c'est tu appuies au moment où t'es sur le menu Link x3, et t'appuies pour starter la partie. D'accord. Donc, il faudra lancer le truc, et tu lances à toi, d'accord. Et après, je lui dis, vas-y, tu lances, et puis on voilà. Et déjà, il faut mettre le truc. Hein. Tu as envie, là ? Ouais, re-salut à toi, Taïra666. Pour l'instant, il n'y a pas marqué 1, mais à mon avis, ça va pas tarder. Comment t'as fait la critique, a parlé. Parce que c'est en retard en général que ça s'affiche le truc. C'est genre, tu vois qu'il y a une personne qui s'est connectée, et après, au moment où tu veux lui parler, bah, en fait, il y a marqué 0 après. Ok. Donc là, ce soir, on fait un live sur Zelda 2. C'est pas moi qui joue ce soir, c'est mon ami Yann930. Je veux dire bonjour, voilà. Salut, salut. Voilà, et donc là, ouais, voilà. Une sorte de speedrun. Entre guillemets, hein, c'est pas un professionnel, c'est un speedrun moyen, on va dire ça comme ça. Ça reste un speedrun. Ton but, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Ouais, c'est vrai. Mais tu joues, on va dire, à ta façon, quoi. C'est pas genre bourré de glitch ou je sais pas quoi. Ouais, y en a aucun, simplement. Voilà. Tout à l'heure, on a fait un essai et t'as fini le jeu en 2h09, sachant que t'étais pas super content parce qu'apparemment c'était. Enfin, t'étais content de finir le jeu parce que ça faisait un moment que t'avais pas joué. Ouais. Mais tu m'as dit que tu pouvais potentiellement faire le jeu en moins de 2 heures. Ça me semble faisable. Hein. Faisable. Ouais. D'accord. Donc là, on est en émulation, hein, c'est pas chier. Tu veux commencer vas-y, maintenant est-ce que tu veux que je décale un peu Ouais, vas-y, mets un peu au milieu, ouais, tiens. C'est bon, il nous entend bien? Parce que du coup, il est... Ah oui, est-ce est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Que ça soit le son du jeu et le son de la voix. Que ça soit pas trop fort au niveau du son du jeu. Logiquement, c'est censé être bon. Alors, je sais pas s'il est là, je sais pas s'il est parti ou pas. Oui, non. Bon, pas de réponse, ça veut dire on va commencer, je pense. Allez, vas-y, commence à lancer le truc. Ah. Attends, je vais décaler là, voilà. Donc, le chrono là. Ah, j'ai pas mis le chrono sur A, désolé. J'ai failli oublier de mettre le chrono. Je vais rajouter le chrono. Et oui, parce que sinon vous avez pas le chrono, c'est un peu con. Heureusement, j'y ai pensé. Hein. Ah, d'ailleurs, c'est bon. Voilà. Ah, ben voilà. Là, le chrono y est. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, vas-y, déjà, va sur le menu. Voilà. Là, c'est bon, si tu appuies sur Start, ça commence, c'est ça? Ouais. Donc, ben, à 0, donc, voilà, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Ouais. C'est bon? Voilà. Donc là, on est, comme on l'a dit, c'est single segment, c'est-à-dire que tu vas essayer de faire le jeu sans game over. Ouais. C'est un véritable jeu qui s'est arrivé à la fin du jeu sans game over. Enfin, le terminer sans game over. Le mieux après, c'est de faire moins de 2 heures. Ouais, moins de 2 heures. Donc, objectif, finir le jeu sans game over et en moins de 2 heures. Donc là, en fait, ce que tu fais, tu vas récupérer. Qu'est-ce que tu vas récupérer déjà? Là, c'est la mana. Tu fais un carreau de plus en vie. Un mana. Donc, ça, c'est très pratique pour le jeu, la magie. Donc, c'est pas mal de l'avoir dès le début. Surtout que je vais jouer pendant un moment avec magie au level 1. Donc, c'est-à-dire que les magies consommeront beaucoup. Du coup, j'ai même pas le choix en fait, parce que jump, je crois que ça me fout de 4 carreaux dès le début. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il y a un système d'expérience qui permet de monter le niveau en armes, en mana et en vie. C'est ça. Voilà, et ce qui te permet soit d'avoir plus d'attaque, soit d'avoir plus de mana, soit d'avoir plus de défense. Et donc en fait, tu vas essayer d'optimiser un petit peu ta façon de jouer pour avoir les bonus de fin de donjon au bon moment. C'est ça. Ouais. Enfin, si possible. Après, le problème, c'est qu'il y a un système aléatoire. Ouais. Avec les sacs, par exemple, qui apparaissent aléatoirement. Je vais t'expliquer ça, du coup. En fait, quand on tue certains ennemis, parfois, ils lâchent des items, et ça peut être des sacs d'expérience, mais les sacs d'expérience, en fait, ça dépend de l'ennemi qu'on a tué. Si c'est un ennemi pourri, il va nous donner un sac d'expérience de merde. De 50. De 50. Alors que si c'est un bon ennemi, il va nous donner un sac de 200, ce qui est déjà beaucoup plus utile. Alors au début, on n'a pas beaucoup de besoin d'expérience pour monter en niveau. Vous voyez là, 100 points d'expérience, on les atteint assez rapidement. Sachant que j'ai déjà sauté le niveau vie. Faut passer le niveau vie de niveau 2, c'est 50 XP pour monter en niveau.
sachant qu'on peut, comme il a dit, on peut passer le niveau d'expérience pour monter un niveau pour faire monter autre chose. Donc là, tu vas faire monter le niveau de l'arme. Ouais, c'est ça. Comme j'ai fait la dernière fois. C'est ça. Pour l'instant, pour la vitesse, il vaut mieux augmenter l'attaque. C'est le plus intéressant sur tous les aspects, puisque on tue les ennemis beaucoup plus vite. On les boss et tout. Et surtout que tu connais, enfin tu gères bien le premier. Les premiers, mais après, ils ont envie de faire des conneries. Comme j'ai perdu dans le run de tout à l'heure, j'ai perdu une vie avant le premier donjon. Et une dans le donjon bêtement. Ça a bien fait rigoler d'ailleurs. Là, t'es dans le noir. Mais pour l'instant, au début, c'est normal puisque t'as pas la lampe. C'est ça. Tu l'as dans le premier donjon. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Du coup, on sait même pas s'il entend. Là, en fait. Donc là, en fait, tu vas pas récupérer le cœur en bas. Si tu vas récupérer, j'ai fait un peu. Ça t'en rend déjà du merci. Ah, là, t'as pas de chance au niveau de. Ouais, de la RNG, on appelle ça l'aléatoire. Avec les petites bulles, attention les bulles maléfiques qui peuvent te tuer, qui sont aléatoires. Enfin, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, donc, je sais pas, après je dis ça, mais honnêtement, peut-être qu'il y a. À mon avis, si tu joues toujours de la même façon, c'était pas aléatoire. Mais... Je sais pas, maintenant tu dis qu'en peut-être avec en fonction du temps, quand le temps. Enfin... Mais c'est ça, hein, mais c'est calculé comme ça, les RNG. Bon, remarque bien, c'est la prog. Enfin, alors tu récupères pas le cœur tout de suite au cas où? Oui voilà c'est ça, c'est juste pour éviter de se prendre un coup et de foutre vie. Parce que surtout qu'il va nous envoyer un coup et on va se prendre des dégâts. Ah oui c'est vrai, ça je m'en rappelle, ça m'est arrivé de jouer, genre de récupérer le cœur et pendant ce temps de me faire toucher. C'est assez con. Du coup là t'es obligé de repasser sur ce passage. Tu vas faire quelques skips quand même si c'est pas des gros glitchs. C'est vrai que c'est des glitchs, exactement, en effet. Ouais. Pour passer des passages pénibles avec des bulles, justement. Là, je peux pas. Enfin, je crois que je suis arrivé une fois, mais c'est super chaud pour rendre la chance, parce que de toute façon, les ennemis se dépassent aléatoirement, donc. Une fois, j'ai réussi à le passer celui-là. T'as vu déjà quand les autres qui sont juste à côté, j'arrive pas souvent, facilement. Donc. Ouais. Ouais, du coup, t'essaieras de faire ça bien. Donc là, on est dans le premier donjon déjà. Bah, t'as pas récupéré le truc de shield. Si pas de bêtises, le sort de shield. Si, tu as récupéré. Ah oui. Du coup, je t'ai fait perdre un petit peu de temps, lol. J'ai pas fait attention. Oui, c'est au début, juste après que je suis allé dans la forêt pour prendre le sac à 50, j'en ai profité pour. Donc là, en fait, tu vas optimiser l'expérience pour. Pouvoir monter en niveau plus rapidement, voilà, surtout l'attaque. L'objectif, ce serait vraiment l'idéal, c'est que je sors du donjon, j'ai 4 en attaque. Mais voilà, bon, ça serait le. C'est ce qui s'était pas passé tout à l'heure d'ailleurs. Mais tout à l'heure, on avait fait un test, et t'étais arrivé au niveau 3. Ouais. À cause de pas de chance. À cause de pas de chance. Ouais. Le fait que je me sois fait toucher comme un idiot par ces ennemis qui ont perdu d'expérience. Parce qu'il y a des ennemis, voilà, il y a des ennemis qui font perdre de l'expérience, et des ennemis aussi qui font perdre du mana. Là, je l'ai pas touché d'ailleurs. Les espèces de boules là qui rebondissent. Les bubbles, ça s'appelle. Eux là, ben voilà, c'est eux. D'ailleurs, ils ont énormément de points de vie, ce qui est assez marrant. Je crois que c'est dans les 250 par là environ. Je sais plus trop exactement. Mais... Du coup, c'est les ennemis les plus forts du jeu. Hein. Résistant. Ouais. Là, tu as bientôt. T'es à 200. Voilà, prochain ennemi, ouais. Voilà. Donc là, t'es à 200, attaque, tu peux monter en attaque, donc maintenant t'es à une attaque un peu plus puissante. Eux, c'est chiant quand on n'est pas full vie, parce que du coup, on peut pas les attaquer à distance, et ils peuvent nous attaquer n'importe comment, c'est... Là-bas à droite, il y a une fée, mais je la garde pour plus tard. Même si... Donc là, tu vas récupérer une autre clé. Voilà, c'est ça. Il est mal placé, cet ennemi. Ouf, c'est pas passé loin. Donc là, voilà, il y a les essais. Comment ça s'appelle cet ennemi? Tu sais pas. L'ogre, je l'appelle tout le monde. L'ogre. Je sais pas s'il a un nom particulier. Si, ils en ont tous, mais. Je connais pas par cœur. Je m'en doute, mais d'ailleurs.
purée, sur le lag. Ah, il y a du lag. Enfin, c'est pas un lag, je sais pas ce que c'est, t'as vu là, le, avec le son, c'est le son qui est un... Ah, le son, c'est pas trop gênant, ça. Oui, il y a pas vraiment de lag. Par contre, t'as mis un filtre, quoi, parce que je me rends compte que... C'est possible qu'il y ait un filtre. Est-ce que ça te gêne particulièrement? Non. J'ai pas fait attention, moi j'ai laissé le, l'émulateur tel qu'il est et ça me dérange pas. Allez, là on va chercher la, la bougie justement. La bougie, bah, comme ça du coup les pièces éclairées, les pièces justement éteintes. Ah, je peux avoir du mana, tiens, vache. Des fois ça arrive, en fait il y a un système aléatoire, j'ai vu ça avec un collègue. En fonction du mouvement et tout, en fait dans le pire des cas on peut perdre je crois jusqu'à un carreau de mana, mais des fois on peut perdre quasiment un. Ah, oh, oh ouais. Joli bug. Ça, tu l'as refait deux fois, c'est marrant. À moins que l'émulateur soit mal foutu, mais... Non, 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 ça reviendra à l'émulateur, je pense. Allez, bah, bon, ah, il est plus pas grave. Ça se perd du temps. Ah, vas-y. Fais gaffe, baisse-toi. Hein. Ah, là, il y a un sac, tu vas le ramasser. Oui. Ah. Par contre, c'est chiant, voilà. C'est chiant, le truc qui pop au moment où tu surtout des... étais au-dessus du vitre. J'ai pas fait gaffe. Là, ça va être encore la vie. Oh. Ah, dommage. Je t'ai fait toucher. Allez, viens. Au cas où, tu te fais toucher. C'est vrai que c'est pas très utile pour l'instant. Là, tu récupères la bougie. Alors, ça sera pas très utile, c'est juste pour voir un petit peu. Là, n'empêche, je me sens mieux que tout à l'heure. Déjà, tout à l'heure, j'ai perdu, peut-être, pas encore les deux vies, mais quasiment. T'avais déjà perdu deux vies? J'ai perdu une vie à, dans l'eau. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai. C'était, c'était assez marrant d'ailleurs. Voilà, t'es perdu deux vies comme ça. Mais bien sûr, allez hop, je vais faire enfin, je vérifie juste si il y a un line. Je peux vérifier. Logiquement, c'est en ligne, mais je peux pas vérifier. S'il y a quelqu'un sur le chat pour bien me dire que c'est bien en ligne, juste pour être sûr, qu'on fasse pas ça pour rien. Bon, de toute façon, toi, ça se regarde dans tous les cas, ça sera pas un live. Ouais, au pire des cas, c'est pas très grave. Juste que bon, il doit dire oh, c'est chiant, y'a personne. Ah, voilà, et donc maintenant tu récupères la fée pour être full live, pas crever. Pour l'instant, ouais, j'espère que je vais pas avoir une nouvelle surprise. Tu fais pas le coup d'épée pour gagner du temps. Ah oui, c'est vrai. Dans les ascenseurs, on peut donner un coup d'épée pour placer Link de façon à ce qu'il sorte un peu plus rapidement. Ça fait gagner que quelques frames, mais c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je trouve ça... Moi, je le fais perso, même si je suis pas un speedrunner. Enfin, sur ce jeu, en tout cas. Toi tu le fais pas alors que toi tu es un petit peu meilleur que moi sur ce jeu. Tu connais bien mieux les ennemis que moi, enfin, tu peux, surtout sur la fin. Sur la fin moi je bouffe pas un taré. Donc là t'es bientôt au boss. Ouais. Pas de bêtises. Et voilà. Enfin, faire gaffe à pas crever. Ouf, ouf ah, ça voilà. C'est cool ça. C'est ça. Parfait, toi j'ai de la ce qu'il me fallait. Donc là t'as eu beaucoup de chance. Voilà, et donc c'est bon, donc du coup, et je vais avoir 50 d'expérience, tu vois, il fallait le sac, j'ai pas le choix en fait, il me faut le sac. Du coup là, je vais avoir dépassé les 100 d'expérience, donc du coup j'ai atteint le niveau 4. Donc là en fait c'est parfait. C'est pas joué avant, Sean. Aïe. Tu peux te faire en toucher encore une fois, et après la deuxième fois tu meurs. Alors ce boss c'est pas très dur, mais faut quand même faire attention. Voilà, là c'est parfait. Du coup, là, tu gagnes de l'expérience. Alors là, non. Voilà. Voilà. Et là, je me gagnais, du coup, 886 expériences. Voilà, parce qu'en fait, dès qu'on arrive à la fin d'un niveau, ça te donne automatiquement le maximum d'expérience par rapport à l'expérience, voilà, par exemple, sur 1000. Et ça va automatiquement amener à 1000. C'est ça. Et du coup, c'était important de dépasser les 100 pour avoir le sur 1000. Parce que sinon, on était à sur 100. Du coup, c'est ça. On gagnait que maximum 100 d'expérience. C'est pour ça d'ailleurs que tu as skippé les deux trucs d'expérience. Voilà. Du coup là c'est parfaitement optimisé
pour. C'est parfaitement optimisé, mais il y avait quand même une part d'aléatoire. Ben, le sac, si j'appelle le sac de 200, ben, j'avais fail, d'ailleurs. Là, j'ai vraiment. Là, j'ai de la chance au maximum. À l'inverse de tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais. Là, d'ailleurs, je vais augmenter ma défense, je pense, quand même. Je fais un petit peu mieux. C'est pas mal. 50 expériences, là, c'est bon, c'est tout. C'est vrai qu'il faut pas le prendre au début, le 50 expériences. La preuve. Oui, sauf que j'ai réalisé que j'ai oublié de prendre le. Ah, t'es pas allé dans la grotte? Ouais. Bon, là, je me suis dit pourquoi t'y allais pas. Tu veux me le rappeler? Ouais, j'ai hésité. Voilà. Alors là, faut faire gaffe à ne pas tomber parce que on peut mourir très facilement sur ce genre de passage à la fin. D'ailleurs, ce passage-là, normalement, il est pas éclairé. Si je dis pas de bêtises. Bah, c'est comme c'est une grotte, donc du coup, dès que t'as la bougie, tu peux le voir. Tout à l'heure, ouais. De toute façon, je t'ai montré tout à l'heure. Mmh. De toute façon, les grottes, si t'as pas la bougie, elles sont forcément dans le noir. Je me rappelle c'est plus si elles étaient toutes dans le noir ou pas. Par contre, t'as pas de chance au niveau des maps à chaque fois que tu tombes sur les ennemis. Mmh. Mais c'est pas une grosse perte. Oui, bon. Après, en vrai, en accumulant, c'est ça. En sens, c'est le problème, c'est que je joue beaucoup sur les gâteaux. Voilà. Moi, d'ailleurs, j'ai pas besoin de perdre du temps là, à parler aux vidéos. Donc. Ouais, parce que t'es déjà full vie et full magie. Comme ça, je m'entends bien. Tu vois, après, ça fait l'effet inverse et après, je vais me sentir beaucoup moins bien. Je sais pas, on verra. Donc là, tu vas récupérer la magie jump, c'est ça. Qui va te permettre d'accéder à. Parce que sinon, on peut pas continuer le jeu à un endroit, dans une grotte où il faut avoir forcément le jump pour. C'est une plateforme. Voilà. Ce qui est marrant là, c'est ces vieux, ils sont tous identiques, même sprite. Enfin, ça, c'est la NES, c'est parce que voilà, il y a sprite dehors dans la NES. Ouf. Ah oui, faut que j'augmente ma vie. Donc, ça, c'est tu vas faire des monstres, c'est ça? Bah, dès que je vais. J'ai rencontré deux Octorok, le deuxième va me faire monter d'un niveau, tu vois. Sauf s'il me laisse un flacon, je vais pas compter les items qui pop. Oh là là, je meurs de faim, je dévorerai bien un Octorok. Ouais. Là tu vas en dévorer deux. Ah et là t'en as tué deux. Voilà, hop, à la vie, voilà. Du coup maintenant t'as un peu plus de vie, t'as plus de défense, bon. Voilà, super, heureusement. Et t'as perdu. Par contre t'as récupéré un P. Pas mal. Même si tu gagnes moins d'expérience avec un P avec cet ennemi là que l'autre. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir. Mais qu'est-ce que je fais? 5. Le live fonctionne impact. Ah, c'est bon, il fonctionne, bon, parfait. Impact sur le. Le son. Sur le son, ah bah c'est nickel. Peut-être que le live, le chat marche pas chez lui, c'est peut-être pour ça qu'il a pas répondu. Là, bon, en tout cas, il dit que le son est nickel, c'est parfait. Ah, ah on a trop fait. Mais ça, c'est quand tu cliques. Voilà, faut pas que je fasse handicapé. Non, c'est bon, si je sais pas. Allez. Donc là, voilà, le prochain c'est 2000. Donc, si par exemple là tu finis un donjon, bah, tu vas avoir directement les 2000. Ce qui est plus intéressant que d'avoir 150. Et après, sur le long terme, l'idée c'est de les accumuler pour monter plein de niveaux d'un coup, la magie et la vie. Ouais. Du coup, ça évite le farming. Voilà, la fée est cachée. Mais bon, elle est pas trop cachée parce que ça met quand même assez en évidence. Ah, mais tiens, je suis la chance, tu vois. Là, c'est une vie. Ouais, donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer toutes les vies que tu. Ouh, t'en fais 4. Tu peux. C'est pas essentiel parce que la dernière fois, j'avais perdu 2 et j'avais réussi, il me restait combien de 3 vies encore. Ouais. Donc, ouais. Mais bon, ça évite game over quoi. Oui, c'est. Parce que le but, c'est quand même de finir le jeu sans game over. Ouais, donc là, potentiellement, ils peuvent cracher des trucs. C'est pour ça que tu me baisses aussi pour aussi esquiver, bonité, les... Ouais. Pour esquiver les. Oh là là, je sais pas. Là, ça s'est bien passé. Donc là, il faut pas parler à Bagu avant. Et voilà, t'as pas pensé à parler à Bagu. Quand t'as des réflexes après. Et voilà. Ah là, tu fais des erreurs bêtes. Hein. Tout à l'heure, tu avais pas fait ça. Et du coup, t'es obligé de repartir. Bon, ça c'est pas grave.
sais, je me dis, mais attends, pourquoi il va dans cette ville, il a pas parlé à Bagu? Et oui, donc en fait, il faut parler à un personnage qui s'appelle Bagu. Et une fois qu'on parle à Bagu, ça débloque le passage du pont dans la ville où il y a un mec qui dit « Ah, tu connais Bagu ? Ah d'accord, je te laisse passer. » C'est ici, c'est un endroit caché. Du coup, ça c'est assez bâtard parce que finalement, pour finir le jeu, faut il trouver ça aléatoire. Non, il te l'indique, un PNJ te dit que Bagu se trouve dans la forêt. D'accord. Au sud de... au nord de la ville, là, de Saria, si je me rappelle. Donc là, finalement, là en fait, t'as perdu du temps. T'as perdu plus d'une minute. Hein. Facile. Là, voilà, comme on a dit, tu vas aller voir le mec qui va t'ouvrir l'accès à la zone suivante. Oui. Là, je cherche le miroir pour avoir la prochaine magie. Qui est ici. Voilà. Ensuite, tu as parlé à la femme qui était juste à 20 mètres. Ouais. Qui avait la flemme de se bouger son cul pour aller. De côté, elle a peur de dépasser sa maison. Elle a pas plein cœur. En même temps, maintenant, vu que... D'un côté, la ville, elle est dangereuse, hein. Les gens, ouais, quand ils se transforment en chauve-souris et tout. Bah, je fais pas, je perds du temps. Quoique, j'ai tellement perdu du temps, limite. Mais c'est un peu aléatoire, des fois, je peux aller 5-6 fois à la personne, pour qu'elle se transforme, des fois, c'est la première fois. Des fois, c'est pas toutes les personnes aussi, c'est un peu... Ah, c'est de l'âge moutier. Ouais, mais ça le fait que dans les villes avancées, je crois. Non. Ici, et dans Darunia, la ville où, tu sais, le ciel est violet, tu trouves ça. Oui, bizarre. Ça, je sais. Et celle-là, c'est les deux seuls, où ça fait ça. D'accord. Je sais que je vais faire à tout à l'heure, c'est qu'un petit qui passe. Dans tous les cas, je préfère préciser, mais là, on est en train de live. Je sais pas si la qualité de stream sera correcte, mais dans tous les cas, je fais une sauvegarde en local, c'est-à-dire que si jamais la qualité est pourrie sur le streaming, je pourrai directement uploader la vidéo que j'ai enregistrée sur mon PC sur YouTube. Voilà, donc vous pourrez revoir le live en meilleure qualité. Tu connais Bagu, alors je te laisse passer. Là je peux pas passer le dialogue, hein, je peux pas le skip. C'est un des rares d'ailleurs. Je crois que c'est l'un le seul. Y a pas Ayam Error aussi que tu peux... Non mais Ayam Error, souvent on évoque lui parmi. Ouais, non mais je veux dire... Peut-être qu'il y en a peut-être d'autres encore. Donc, en fait, les obligatoires, il y a que lui. Enfin, si on lui tue pas, tu vois. Donc là, bien sûr, tu connais le chemin par cœur. Enfin, de toute façon, tu connais tous les chemins pour optimiser. Même si des fois, je fais gagner un peu d'expérience, parce que l'expérience, c'est cool. L'expérience, c'est la vie. Lui, c'est un des rares gros ennemis, entre guillemets, gros, qui craint le laser de l'épée. Oh là là, je peux dévorer une autre bouche. Je fais exprès ou pas, là? Tu joues mal. Ouais. Ouais, là tu préfères les tuer pour gagner l'expérience, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là j'avais perdu. Ouais, encore faut la montée de la mort, si je perds lui, c'est pas grave, parce que c'est bon, d'ailleurs, faire avancer les dames, c'est tout. J'avais dedans, j'avais. Bien, ce qui est marrant, c'est qu'on en a beaucoup parlé, mais. Il y a beaucoup de gens qui considèrent ce jeu comme un jeu très dur par rapport aux autres. Enfin, bon, c'est vrai que les autres Zelda sont facilités, mais c'est. Enfin, toi, tu dis que c'est un jeu qui est pas si dur que ça. Non, bah, surtout si tu. Enfin. Le truc pénible dans ce Zelda, c'est que t'as pas de chance, et quand tu perds toute ton expérience. C'est vraiment le. Qui peut rendre le jeu difficile parce que du coup, tu peux être sous level à cause de ça. Mais d'un côté, une personne se rend compte des défauts, par exemple, quand tu sors d'un. Un donjon que tu rentres, tous les ennemis repop, les darkness et tout, donc tu peux facilement te faire des expériences curées, ça c'est quoi la dernière fois. Moi je sais que j'ai fini le jeu donc sur la Virtual Console de la Wii, et j'ai pas eu spécialement de problème pour le finir. Ça fait chier de... Ouais, c'est avec lui hein. Je fais toujours pas de jump. Non, pourquoi tu fais le jump? Si jamais, faut pour repasser, moi je passais au-dessus. Ah, mais là je me paye besoin. Ah, du coup, j'ai plus le hache. Ouais, mais t'aurais pu faire jump, récupérer du mana et faire chier. Ouais, mais bon, du coup, ça me resservait à rien. Sinon, je gaspille quand même. Avoir un peu plus de magie. J'ai l'habitude en même temps, ouais, si.
génial. Mais bon, après, tu vois, pour placer ses soins avec Jump, voilà quoi. Ouais, mais justement, t'aurais pu le skipper en plus. Ouais, mais pas. T'aurais eu moins d'expérience. Allez, viens, toi. Allez, viens. Ah, bah, parfait. Donc, par rapport à. Là, tout à l'heure, comme je t'ai dit, on a fait un run de. Enfin, tu as fait un run de 2h09 minutes. Ouais. On a regardé tout à l'heure le temps, le record mondial, on va dire, sans les glitchs. Donc, sur la version américaine, parce que là, on joue sur la version américaine. C'était le meilleur temps mondial, je crois que c'est 1h, 1 minute et quelques secondes. Donc en fait, en gros, tu es quand même assez très loin. Hein. Ouais. Tu es très loin. D'un côté, je veux dire, je fais des combats et tout, je veux dire, c'est normal. C'est pas ultra optimisé. Disons, carrément. Non, carrément pas. C'est juste, voilà, je suis optimisé dans le sens de l'expérience. J'optimise l'expérience. Enfin, là, pas trop, parce que ça fait longtemps que j'ai pas encore fait le jeu, mais. On voit que t'es à l'aise avec les ennemis, tu sais comment ils bougent. Oui, oui. En règle générale, je sais à peu près tous, mais ça fait un moment que j'avais plus joué au jeu, donc j'avais perdu pas mal. Je fais shield. Non, ok. Tu fais pas shield? Non. Merde. Oula, c'est chaud. Dommage. Voilà, c'est bon. Oh, t'as eu les deux. Par contre, il est chiant, celui-là. Là, il y en a un autre, d'ailleurs. Lui, je sais pas pourquoi il propose dans une bonne. Enfin, il a fait. Enfin, bref, ça. Tu vois, je les aime pas non plus. Je trouve qu'ils ont un pattern chiant. Voilà. Bah, tu vois, du coup, les 2000 XP, on va les avoir avant le prochain donjon. Donc, du coup, normalement, jusqu'au niveau 6. Merde. Ah, t'aurais pu faire shield. Pour les gars, enfin, life, limite, j'ai un peu la flemme. J'avoue que c'est la flemme. Ouais, ça fait gagner du temps. Ouais, mais bon, vu le temps que je perds à côté, ça fait. Tu vois, là par exemple, je perds du temps, je vois plus pas faire. C'est parce que des fois j'ai des réflexes. Là, c'est con, c'est comme ça. J'ai perdu du temps tout à l'heure, j'aurais dû aussi. Mais là, je vais pas aller à. Ah, mais. Je vais juste tuer celui qui donne 100 XP, et si je fais pas trop avoir. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, attaque. Non, c'est pas grave, quand tu me touches, c'est pas grave. Il fait quasiment pas des cartes. Au contraire, tu peux utiliser ça pour passer plus facilement le. Et carrément, mieux se faire toucher par lui que. Du coup, ouais, remarque, je vais peut-être. Ouais. Bon, on va voir, peut-être que je vais chercher la vie après. Ouais, c'est con. Non, c'est con. Ouais, c'est bon. Du coup, là, t'as gagné 200 points d'expérience en tuant les deux. Du coup, t'espères avoir les 2000 avant. Donc là, t'es obligé d'attendre pour pas te. Ouais, tu t'es fait toucher. Ouais, mais c'est pas grave. Là, tu sais que selon comment il te touche. Tu sais, du côté gauche ou du côté droit de leurs ennemis, si t'étais tombé côté gauche, ouais, mais là, si t'es tombé côté gauche, t'es comme là, dans le coup, même sens. Purée! Tu l'as fait gaffe quand même. C'est te concentrer. Bah, du coup, là, t'as fait life pour pas crever. Voilà, c'est bon. Et ça, c'est les ennemis, par rapport aux joueurs, je sais que les mecs qui jettent les haches et qui sont rouges, c'est les ennemis les plus chiants pour énormément de joueurs. Et notamment, moi je les aime pas non plus, mais moi je les passe de force avec Shin. T'expliques pourquoi la particularité qu'ils ont? Par rapport à quoi? Bon, la particularité qu'ils ont, c'est que, à l'inverse d'autres ennemis qui lancent des projectiles, eux c'est aléatoire. Des fois, je le trompe pas, des fois pendant les deux voire trois fois d'affilée, des fois, tu peux pas esquiver. Enfin, c'est pas ce qui va. Ouais, quand ils, pas, ils en jettent trop. Ils ont un rythme tellement. Bon, le balance en plus, c'est bon, il y a plus d'ennemis. Ah, on risque de perdre du temps. Non, du coup, j'ai gagné quoi, une minute sur les 2-3 minutes que j'ai perdu tout à l'heure. D'ailleurs. Puisque du temps, je vais avoir le mana avec le truc. Et en plus, j'ai laissé comme la dernière fois, j'ai laissé de côté exprès la boule rouge. Tu sais qu'à l'entrée là, de la grotte tout à l'heure, j'ai fait ça pour la prendre. Donc là, tu récupères ce qu'aussi du mana. Ouais, c'est ça. Après, tu récupères tout ça. Voilà, toute ma vie. Et là, je récupère tout mon mana. D'ailleurs, je vais faire essayer de revenir dans la grotte exprès pour pas être dérangé dans le combat aléatoire là. Parce que du coup, faire le temps de revenir dans cette grotte, hop, il n'y a pas d'ennemis qui viennent de m'enlever. Effectivement. Et là, je fais tout. Après, c'est quand même. C'est pas forcément pertinent, mais moi là, tranquille. Ah là, il y a ça, la pièce. J'aurais même peut-être pu faire shield. Ouais. À l'attaque. Bien sûr. Voilà, là, il a sauté. Mais comme il était dans l'écran, ben, il n'y a rien qui est sorti. Ouh ah, première erreur. Je me suis dit. Ah. Ça, c'est intéressant, c'est ça, la chute.
Elle est quand même bien salope, ça. Et du coup, aussi notre particularité, quand on perd une vie, les ennemis déjà morts sont toujours morts. Non, ça dépend, parce que des ennemis sont morts. Oui. Et genre les blobs, il y a des blobs, il y avait quoi qu'on avait remarqué qui nous copiait chaque fois, c'était chiant. Il y a les têtes de gargouille qui volent. Oui, mais eux, c'est des ennemis qui revoient tout le temps en soi, donc oui. Là, ça se voit. Eux, non, eux, ils sont fixes quand même. Je veux dire, c'est pas, ils sont pas les points. Hein. Ah, en gros, globalement, la plupart, enfin, ceux qui repopent pas, en général, eux, ils sont morts. Donc là, t'as mis shield. Ouais, c'est parce que là, il y a bulles. Ah oui, c'est vrai. Avec les bulles, en vrai, avec les bulles, c'est plus facile parce qu'il suffit de s'approcher par les bulles, ce que je ne fais pas. Comme ça, ben, ils ne font quasiment pas de dégâts, et lui, ben, il y a un moment de vulnérabilité, et puis voilà. Et il te donne 100 points d'expérience, qui est pas... c'est pas négligeable. En effet. Là, tu récupères une vie qui était cachée. C'est la première, la deuxième que j'ai chopée. Ouais, ouais, du coup, tu dois avoir 4 vies, vu que t'as fait en la perdu une et t'as récupéré 2. Au début, on en a 3. Hop. Donc là, tu esquives un combat. Et tu vas dans la ville. Bah, même si je pourrais ne pas y aller là. Ouais, c'est vrai, je. Non, l'attaque vers le bas, il faut que je suis bête. Non, je sais pas, je crois. Là, c'est bon, je crois. C'est tout seul le mana qui va, je crois. La mini au mana. Donc là, en fait, tu vas utiliser Jump pour atteindre une porte qui n'est pas accessible autrement. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir récupérer le upstab, c'est ça? C'est le vers le haut? Vers le bas. Vers le bas, c'est ouais, le down. C'est le down stab. Je crois que ça s'appelle comme ça. Downward. Non, downward, ça veut dire vers le bas. Donc c'est le down stab qui permet en fait quand Link saute, j'allais dire Young Link. C'est vrai qu'il est jeune sur ce jeu. En fait, quand tu sautes, t'appuies sur bas, donc juste appuie sur bas, et en fait Link envoie l'épée vers le bas, ce qui permet de taper des ennemis en sautant vers le bas. Voilà. Et plus tard, on aura le up stab qui permettra de taper vers le haut, qui sera utile par exemple pour casser des blocs qui sont en hauteur. Souvent des ennemis un peu chiants. Voilà. Bon, d'ailleurs, là, on va chercher l'item pour pouvoir avoir la prochaine magie, donc qui est Fairy. Il faut chercher, je sais plus, l'eau de vie ou de juin, je sais plus, je crois que c'est l'eau de vie, enfin, je sais plus. À force de plus lire le dialogue. C'est pas cool, hein. Bon, ça, on va aller à l'os. Ah oui, c'est dans cette grotte-là. Par contre, t'as pas de chance pour le jeu. RNG. Donc là, en fait, tu vas dans un groupe pour récupérer quoi, tu m'as dit? L'eau de vie, le vin, enfin, je sais pas trop ce que c'est. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est de l'eau de vie. C'est impossible. Ouh, ok, c'est pas mal. Je sais pas si t'en as spécialement besoin, mais. Oui, bah tiens, j'ai pas toujours les demi là, mais bon, au moins je les aurai. Sauf si je touche des ennemis qui enlèvent de l'expérience, mais bon. Ah oui, tiens, je vais pas prendre de. T'as bien fait la visée. Bah tiens. Life. Putain, il y a l'autre ennemi. Oh, bah, celui-là il est dangereux à skipper. Hein. Lui, on est un peu obligé de le tuer. Hein, parce que si. Enfin, d'ailleurs, je passe une magie. Tiens. Parce que je sais qu'il y a des joueurs par exemple qui font exprès de se suicider pour gagner du temps. Ouais, mais bon, là c'est l'optimisation à fond. D'un côté, là en fait, si tu veux faire le jeu normalement sans faire exprès de mourir, oui, en essayant de pas jouer trop comme un handicapé. Donc là, tu vas où? Au prochain donjon. Voilà. Oui, le deuxième. Donc au début, c'est vrai qu'au début, finalement, on fait pas tant les donjons que ça. Hein. On récupère des trucs à côté, un peu partout. Moi, le jeu, pas. D'ailleurs, il est pas linéaire dans le sens. Bah, comme le premier d'ailleurs, enfin, il donne des choix. Là, au début, on peut soit directement faire le deuxième donjon, soit faire un temps de la mort.
L'intérêt de faire la montagne de la mort avant, c'est surtout pour avoir les coups vers le bas, qui est pratique dans le prochain truc. C'est clairement une véritable intérêt. Là, on va chercher plus de vie. On récepte un peu de cœur. Donc en fait, si tu reviens, pour expliquer, bon, pour ceux qui connaissent pas Zelda 2, si tu reviens sur la route, c'est tout simplement parce que quand les ennemis pop, tu touches les ennemis et que t'es sur la route, en fait, t'as pas d'ennemis. Alors que si tu le fais sur la plaine, par exemple, ben, tu as un niveau où t'as des ennemis, ça te fait perdre du temps. Et selon la zone, ça sera différent, genre dans les marécages, ben, t'as justement cette sorte de bougie à douche, je sais pas comment dire. Donc là, t'as récupéré un deuxième carré de cœur, ouais. Mais il y en a quatre en tout, et ça va pas. Tu vas récupérer les quatre? Ouais, non. T'inquiète, surtout qu'ils sont pas loin et c'est pas des gros détours, donc faut pas perdre ça maintenant. Je pourrais pas en prendre un, mais. Allez, hop. Là-haut, il y a de l'expérience, mais là, j'en ai pas besoin. Enfin, si, mais. On va récupérer un peu de mana. Aïe aïe aïe. Je vais choper. Je vais bientôt monter au niveau 2000. C'est limite pour temps, quoi. Pour gagner un demi. C'est limite pour montrer un peu, quoi. Ouais, pas de chance, juste à le retrait de. Ah bah tiens. Voilà, donc maintenant t'as 5 en puissance. Donc après, logiquement, tu vas monter en attaque le prochain. Ça fera 6. Donc, ouais. Mais là, du coup, je pourrais monter un peu le reste aussi, parce que du coup, on va en profiter. Parce que là, bah, tu sais, le sans expérience, je veux dire, je vais augmenter un peu le niveau des autres. Tiens. Allez, c'est parti. Du coup, vu que j'ai perdu du temps bêtement tout à l'heure, je doutais peut-être que je serais au-dessus de 2 heures. Ouais. On verra, hein, de toute façon, ça dépendra de comment tu joues. Et c'est vrai que déjà, globalement, t'es quand même mieux parti que tout à l'heure. Tout à l'heure, bon, bien sûr qu'on n'a pas fait en live, hein, on a fait ça en off. J'ai quand même enregistré, mais bon, c'est pas forcément... Ah oui, c'est vrai que t'as enregistré. Je suis con. Allez, c'est parti. Allez, on va monter un peu. Maintenant, il faudra 200, tu vois. Ouais, j'augmente après la vie, et après j'arrête, par contre. Du coup, voilà, je retrouve, je facilite un peu plus le jeu. Je sais pas, c'est pas nécessaire, même loin de là, mais... T'inquiète, là, ça sert à rien, je vais le perdre, l'expérience. Autant profiter. Après, si je fais une erreur, autant qu'il y ait. On va faire des tests aussi, hein. C'est pas une part. Je suis pas un super killer. Allez. Pire, tu tues quelques blobs avant. Ouais, non. C'est mon objectif, c'est quand même de pas farmer. Normalement, tu vois, on t'a vu tout à l'heure, j'étais pas à 8-8-8, hein, et je sais pas. Mais je sais que je suis un... Avant, quand je le faisais, je suis arrivé au 8-8-8, et même, j'ai gagné une vie, hein. Ah bah voilà, tu vois, hop, la vie. T'as eu la chance, ouais. Voilà, et là, du coup, maintenant, je peux plus le faire, pas tranquille. Voilà, donc là, maintenant, regarde, tu vas plus monter en niveau dans Life et Magic pour pouvoir monter la puissance de l'arme. Oui, pour être sûr, même si à mon avis sera large. Tu vas faire quoi? 400? 400 expériences, c'est bon, c'est les risques, clairement, mais bon, on pourrait pas prendre de risques. On va mieux être un peu d'impartie. Même si finalement, tout à l'heure, on a vu que c'était pas assez finalisant, mais bon, l'attaque, ça fait gagner du temps. Ouais. Ah, c'est fini pour les boss. C'est philosophique ce que je viens de dire. Ah, ok. Attaque, ça fait du temps, c'est beau. Pas mal. Parce que du coup, plus tu es violent, plus tu gagnes du temps. Ah, allez. Ça, c'est les méduses. Les méduses de Zelda 2. D'ailleurs, la VGN, quand il avait fait la vidéo de son. Sur Zelda 2, et justement il parlait de ces ennemis là qui disaient je supporte pas ces ennemis qui font des mouvements, putain t'as fait des risques, qui font des mouvements dans le même style, des mouvements sinusoïdaux, je déteste ça. D'ailleurs dans la dernière vidéo de Curse, il fait mon droit de vite fait le mode difficile, et j'ai jamais essayé de casser un 3 en difficile, purée, et on voit d'ailleurs des ennemis, voilà, du coup j'arrête, là c'était bien 400 ce que j'avais dit. On voit des ennemis qui ressemblent un peu à des méduses, mais ils ont des patterns encore plus aléatoires. Enfin, c'est pas aléatoire, l'autre. Et là, il y a des fois, ils vont monter, des fois, ils vont descendre. C'est affreux. J'ai vu ça, je dis. Ils sont que dans le.
Ouais, life. Ouais, même ça sert à rien. Parfait, parfait, parfait. Faire gaffe, faut pas se faire toucher par ces trucs de merde. Encore que là, c'est pas gênant, c'est faire de la magie, c'est pas très grave ici. Il y a des niveaux, par contre, ça pardonne pas. Là, je vais chercher l'item de. Donc là, c'est quoi? C'est le gant, ça? Ouais. Donc le gant, ça te permet de. De casser les blocs. Ouais. Là, d'ailleurs. Parce que j'ai en train de ça va te faire une question. On va voir. T'as failli te faire toucher. Et voilà, ça c'est fait. Tant pis pour ça, je vais prendre le problème. On s'en fout. Que je suis con. Ouais, on s'en fout. T'as pas besoin de le prendre. Ouais. T'es pas perdu, putain. Donc voilà, là t'es bientôt à la. L'objet, il est juste là. Purée, mais rien que quoi tu prends. Ah bah, par habitude. Ouais. Voilà, donc là, il y a le gant. Puis du bubu, du bubu. Bon, pour l'instant, ça va. J'ai perdu qu'une vie pour deux vies tout à l'heure. J'ai attaqué par la pour gagner du temps, comme ça, c'est pas... Alors, est-ce que je vais repasser sans souci? Lol. Je me tentais trop. C'était Sauron. Lol. Pas celui de Hopper.fr. Ah, dommage. J'ai pensé aux deux. Ouais, bon, t'es... Référence à Sauron, hein, de Hopper.fr, si tu nous regardes, lol. Ce n'est pas un caméo. À mon avis, ouais, non, je ne crois pas la vidéo. ce n'est pas un caméo, lol. Il y a même des caméos chez le Corbac. Incroyable. Il me faut des buts, je dois vivre. Ouais, sinon tu vis pas. Hein. En plus, tu te rends compte, la dernière fois que j'ai fait un live, justement, où on voyait ma gueule, pas sur ma vidéo YouTube, sur un live, c'était sur Tales of Vassis. J'ai bu une bouteille d'Oasis devant la caméra. C'est le placement de produit. Ouais. C'est comme Hooper. Ouais, Hooper aussi, il est choisi. Ouais, oula, alors là. Perte de temps. Là, perte de temps, monstrueux. Heureusement, t'as 5 en attaque. Ouais. Hein. Oh, ça va. Ouais, c'est un peu de temps perdu, mais. Ah non, c'est pas pareil. Hein. Purée. Alors attends, là, j'ai un bug du cerveau. Je sais plus. C'est affreux. Ah là, t'as un trou de mémoire. Donc c'est pas un trou autre part. Non, si, c'est bon. Je suis là. Voilà, mais du coup, maintenant t'es full magie. Si c'est là, hein. Non voilà. Non ah, ouais. Bah, t'as perdu du temps. Oh là là. Non, je connais par cœur, là j'ai un trou. Ah, c'est le stress du live. Cette honte. Tu fais trop parler. En gros, ça va finalement, même en parlant. Mais, pas... mais tu perds du temps. Ouais. Là, t'as perdu quand même plusieurs minutes. Mais de rien, bah, je suis moins concentré. Enfin, pas forcément, je dis ça, c'est pour une qui arrive, mais bon. Du coup, tu penses quoi faire 2h05? Je sais pas encore. On va voir. Déjà, j'ai plus d'attaque, donc les poches, je vais torcher plus vite. Ça va jouer. Ouais, allez, bon, c'est pas forcément une grosse perte de temps. Ouais, bah, sauf quand on fait handicapé, qu'on perd contre le. Sauf quand tu meurs. Quand même, c'est ridicule. Mais finalement, quand t'es mort tout à l'heure, quand tu jouais, t'as pas perdu tant que ça. Oui, parce que les boss torchent vite, c'est sûr voilà, qu'on est pas. Et même, ça, même quand t'as perdu là avec les bulles, c'est-à-dire que tu reprends direct, donc c'est pas une grosse perte de temps. J'ai plus perdu temps là que tout à l'heure, je trouve. Du coup. Parce que avoir Bagu, ça c'était méchant. J'ai fait aussi le. Ouais, l'autre j'ai perdu 30 secondes, c'est pas grave. Du coup, j'ai oublié de prendre la statue. Heureusement que je t'ai parlé de Bagu. Hein. Ouais, la statue aussi. Non, la statue c'est moi. Pour avoir jump. Allez, Non, tu prends pas. Je me force à pas le prendre, c'est difficile. Allez, tu prends pas le sac, il te sert à rien. Bon, faut aller vite te faire. Bon, bah, allez, tiens, là. Ah, d'accord. Ah, bah oui, ça sert à rien, ouais. J'ai essayé, là, de. Allez, ouais, donc, attends, tu veux pas. Par contre, y'a pas le mec qui jette les trucs, là. Ah, non, c'est vrai. Ah, tu t'es raté. Et là, y'a le rouge, maintenant. Allez, mais. Il est chaud à faire celui-là. Non, c'est tout. Allez, shield, là il s'y peut donner, mais je crois que j'ai pas assez de façon. C'est vrai que le chevalier est pas très dur. Le cas, c'est un peu handicapé. Voilà, ouais, nickel. Bon, du coup, ça va, je t'ai pas trop de temps. La petite clé pour ouvrir cette porte.
Et voilà, et du coup maintenant tu vas passer à 3000. Du coup ça te permet d'avoir 6 en attaque. Le niveau max c'est 8 hein, on rappelle. Ouais, 8 de partout. Sachant qu'on gagne quand même encore de l'expérience. Voilà, pour une fois je vais pas perdre tout le temps à attendre. On verra bien dès qu'il y a un ennemi qui va venir me faire chier. Peut-être qu'il y en a pas longtemps. Bah voilà. Voilà, attaque 6, c'est parfait. Du coup, je peux gagner encore un peu d'expérience pour le prochain. Ouais, bah oui, je peux. Hein. Ouais, bah. On va monter l'attaque au niveau 7. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs. Ah, bah là, il y a les gens dehors qui sont charnières. Alors, je pense pas qu'on entend bien dans le live, mais. Ah, c'est malheureux. Il y a tes là dehors, là, il y a le. Je sais pas, il y a des gens. Ils sont contents. Peut-être pas contents, je sais pas. Peut-être qu'ils agressent quelqu'un. Hein. Bon, du coup, je vais prendre Ferry et après, je vais dans le cimetière. Oh, c'est la fête. Wow. La France a gagné la Coupe du Monde. Ils sont contents apparemment. Hein. Je vais dire ouais, demain on travaille. D'ailleurs moi aussi demain on travaille. Ah, c'est bien de tout reporter hein, hein, purée. Ouais. Et je préfère il va pas regarder tes vidéos parce qu'elle est cool. Allez. Allez, Jacques. Bon, demain. Ah, je ne parle pas de demain. Ah, c'est déjà, surtout que c'est pas demain, tout à l'heure. C'est aujourd'hui en fait. Dodo boulot. This magic world will give you power. Ça c'est. C'est Ferry. Ah bah oui, Ferry. D'ailleurs, ça donne pas de la puissance. Au contraire, ça te rend plus faible. Ouais. Ça permet de bouger. En fait, mieux, ça fait pas de. Enfin, ça pas plus faire, enfin, tu peux plus attaquer. Ouais, ouais. Donc, ça donne pas de la puissance, fais, au contraire. Ce qu'une fée, c'est gentil. Ça te rend faible. Enfin, agilité, par contre. Mais c'est pratique, par contre. Ah, bah, on a vu plusieurs fois, la dernière fois que. Ouais, ouais, mince. T'as failli crever. Non, pour eux, pas dégoût. Ah oui, deux fois, je l'ai utilisé d'ailleurs. Ouais. Oh, bah, c'est pas grave. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. On va le faire. Voilà, donc pour accéder à cet endroit-là qui permet d'atteindre le troisième donjon. Le troisième donjon qui est, je trouve, qui est quand même bien caché. Enfin, même si on peut trouver à force. Rien que déjà de savoir qu'il faut aller dans le cimetière récupérer le pouvoir de la fée pour pouvoir monter et tout ça, c'est quand même plusieurs. La fée, encore le pouvoir de la fée limite. Je veux dire, c'est pas spécialement compliqué, de toute façon tu arrives toi-même tout seul à la fois, mais voilà, évidemment. Une petite astuce d'ailleurs, je laisse le tir. Oui, donc en fait, dans ce donjon, en fait là on voit une statue, et si on tape la statue, il y a une probabilité pour que la statue drop, voilà, une potion de mana, mais des fois ça fait apparaître un ennemi, donc en fait il suffit de sortir et de re-rentrer dans le donjon, pour retenter de récupérer une fiole de mana. D'ailleurs, quand on rentre et quand on sort du donjon, le donjon est complètement réinitialisé. Ah, t'as oublié ça. Moi j'ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'il va se faire avoir. Il s'est fait avoir, le petit. Il est chiant, ce truc. Il est pas logique. Il faut plus. c'est un triboumerang. C'est bizarre. Là, t'as un fait peu d'expérience, mais. Après j'augmente mon mana, 300, oui c'est mon mana. Ça fait pas ça. Je pense pas. Voilà. Oh, tant pis. D'avoir l'ennemi chiant, il est après. Non, j'ai pas attaqué le haut. C'est bon. Je t'ai pas fait avoir par les blocs. Comme quoi ça arrive, ça tout peut arriver. Enfin, fichage, je crois avoir tout à l'heure, mais bon. Allez, là il y a la clé. Oh, allez, qu'est-ce que tu fais? Je me rate. D'accord. Je me dis que j'ai pour l'instant j'ai mon chrono, donc il faut que je la perde un peu, c'est dommage. Le P, tu vas le récupérer du coup. Ouais. Donc j'ai attaqué le bas, donc attends. C'est bon, j'ai fait exprès pour ça d'ailleurs. Mais là, par contre. Ouais, si. Ouais, ah, c'est risqué. Est-ce que je prends le prochain niveau? Ouais, je te conseille pas, moi. Bah, y a surtout beaucoup... que t'as monté déjà à l'autre niveau. Ouais, tiens, j'ai beaucoup monté, donc c'est pas grave.
C'est assez risqué. Oh, je peux faire du 1 pour le faire. Oh, allez, c'est bon, je vais pas arrêter de faire. Tu vas pas aller, hein. Faire trop de temps. Au pire, même, t'aurais pu le sauter. Ah, quoi que. Ah, fais gaffe de pas courir. Ouais, remarque. Non, tu dis, c'est vrai. On s'en fiche, parce que. Ouais, du coup, tu peux sauter directement. Depuis que je montais la magie d'ailleurs, je pense qu'on manque. Moins de magie, les gars. C'est passé juste là. D'ailleurs, on voit le feu que c'est pas du 8 bits. On voit que c'est qu'il y a un fil dessus. C'est du 4 bits. Ah, c'est encore plus. De toute façon, ça se voit que c'est ça. Enfin, t'as pas la trop l'habitude pour ça, mais on sent. Allez hop. Ouf. Ah, ben parfait. Ah, bah, j'ai plaisir ça. Allez, quasiment full. Allez, porte fermée, généralement c'est pas le faut passer. Enfin, sauf au dernier moment. Ça le fait moins, c'est dans le système d'enjeu, mais. Donc là, tu vas. Il y a un truc à récupérer, je me rappelle plus. Oui, bah l'objet. Justement, c'est lequel déjà? C'est le bateau. Le. Ouais, c'est bon, on prend le. Normalement, de toute façon, comparé à tout à l'heure, je n'ai pas oui. Non, ça fait trop sécurité des scènes comme ça, j'ai l'impression que je vais les rater. Quoi. Là, c'est des... Faire attention de pas donner un coup en sautant à cet endroit-là, parce que sinon on tombe. Ouais, ça c'est épique. Enfin, pas quand. Ça nous arrive pas, c'est bien. Allez. Allez, viens. Alors, ça commence à être un ennemi, on va dire, un peu plus difficile que les... ceux de base. Déjà parce qu'il y a plus de PV, mais en plus parce qu'il voilà, il envoie le pâté. Hein. Ah, fais gaffe de pas crever. Je fais n'importe quoi. Combien t'as l'heure, je l'ai battu sans problème. Encore un coup, je crois, non? Ouais. Allez, ouais, nickel. Moi, j'ai vraiment de la merde. Oui. Allez. Seul. C'est dommage. Tant qu'après, je fais pas des conneries, ça va. Au pire, si tu crèches, tu récupérerais tout, en fait. Ça. Oui, mais même si je perds, sans... comparé à tout à l'heure, je perds du coup. Même si je perds des vies, c'est pas grave. Surtout que dans ce jeu, c'est pas très pénalisant. Tant que t'as des vies, c'est bon. Bah, parfait. Et putain, après, il y a pas. Allez, saute, les gars. Ou saute pas. Ah. Il t'a fait une feinte là. Hein. Allez. Ah, il a fait chier. Vas-y maintenant, là tu peux. C'est vrai allez. Que sans magie dans ce jeu, ça deviendrait beaucoup plus dur. Aïe. Non, c'est pas pur. Aïe. T'as failli te faire toucher trois fois. De toute façon, les blocs, c'est le pire ennemi du jeu. Non, mais c'est bon, c'est aléatoire à la con qu'ils ont. C'est des trolls. Surtout qu'ils te font tomber dans la lave, hein, allez, c'est rigolo. Bon, ça va pour l'instant. C'est genre les joueurs normaux, ils disent ouais, les blocs, c'est de la merde. Et les ennemis avec les haches, ils sont super chiants. Toi, tu te dis ouais, les ennemis avec les haches, sont pas très durs. Et les blocs, par contre, ils sont chiants. Bah, par chance, enfin, je dis ça, mes ennemis avec les haches, quand je fais le jeu en life 1 et en 4 carreaux, je suis mal dès que je le vois. Si j'ai peu les esquives, je les esquive. Allez, c'est bon. Allez, hop. Tu fais ton mode échelle bien faite, là. Ouais. Là, j'ai un peu foiré. Purée. Ouais, ils sont chiants, ces trucs, là. Du coup, là, t'es obligé de faire en hein. Mode échelle, en mode... En mode barbare. En mode barbare, mais ça passe quand même. Du coup, est-ce que j'aurais assez de faire en life? C'est ça, j'aimerais bien le garder pour avoir faire shield, mais vu la vie que j'ai, je me suis dit, c'était plutôt de faire life, hein. Non, je vais mettre sur life, du coup. 60, ça fait. Non, j'ai passé. 16, 32 de cœur, ça fait 32, donc j'ai passé. Donc, tu peux faire que shield? Ouais, voilà, je peux faire que shield. J'ai ça, je vais avoir un. Un, puis ça va être chiant, là. Allez, donnez-moi du mana, soyez gentil, j'ai joué pas beaucoup. Mais pourquoi tu récupères pas le P, lol? Ah, bah, tu fais ça, pas de problème à faire régler. Le P, ouais, bah, du coup, tu vois, normalement, je pouvais remonter le niveau finalement. Ouais, c'est pas grave. C'est pas une énorme perte. Non, ah. Ne saute pas par-dessus. Bon, bah, du coup, on va pas perdre de temps, de toute façon, mais... Ouais, on bosse. Ouais, t'as réussi à faire le saut. C'est chiant. Et ouais, pourquoi que je passe avec. Ouais, il faut tout le monde, mec. Allez, allez, boss time.
En fait, je crois comparé à tout à l'heure, c'est à peu près le même chrono. Ouais, parce que j'avais regardé, c'est en gros en une heure, j'avais fait 3 donjons, donc ça va quoi. J'ai pas attaqué un repas. Ah, raté. Je sais pas pourquoi t'as foiré. Hein. Parce que je regardais le chrono au lieu de. Allez, encore un coup. Dire que t'allais battre le record, mais là t'as fait l'erreur. Ouais. Ah, voilà, ça y est, qui est parti. Ah, là tu gères bien. Voilà. Là t'as vraiment très bien géré. D'abord, j'étais en handicapé. Tu vois, t'as raté la feuille. Ah, t'as perdu. Fait. On va recommencer. Allez. Voilà. Donc là, tu vas monter directement à 5000. Et tu vas utiliser cette expérience pour monter les autres. Non, l'attaque. C'est bon. Encore l'attaque. Ouais, c'est après que tu le fais. Bah, tout à l'heure, je l'ai fait là. T'as vu que ça m'a pas été, rentable. Allez hop. On se bat. Du coup, on a le cas. Voilà. Putain, le son, il revient un peu plus. Tu sais, je vais me dire qu'est-ce que c'est. J'avais oublié que je vais dire. Oh là là, le son, vache. Je vais mourir. Ah oui, d'ailleurs. Si aussi, ça peut être intéressant. Lorsqu'on a le tout à fond, bah pas forcément tout à fond, mais dès qu'on ajoute l'attaque au niveau 8, on peut quand même le faire monter au niveau 9, on fait 9 d'expérience pour tout faire monter. La particularité c'est que si on monte de niveau, donc on restera au 8, mais par exemple si on augmente la vie, on se remettra full vie, le mana on se remettra full mana, et si on augmente l'attaque, ce qui est intéressant c'est que ça fait gagner une vie, donc c'est de très loin le plus intéressant. Là peut-être que je pourrais l'utiliser, je garantis pas, on verra. Justement, il n'y aura pas nécessité. Ou ouais, est-ce que tu veux soit à 8 partout. Ok, est-ce que tu. Ouh, je déteste ce passage. J'ai perdu de l'expérience. Mon dieu. Ah, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh. Allez. Voilà, on peut le faire. Ouais. Bon, donc là, tu prends le dos. Non, t'en prends un peu. D'abord, tu vas te soigner. Ouais. Ce qui est con. Ouais, il y a mes villages à côté. Ah, c'est pas du tout. Voilà, à côté. C'est pas bon. Bah, bon, t'es à côté du radeau, là, de toute façon. Ah, quelle naze. Donc là, maintenant, tu vas. Tu vas quoi, récupérer l'enfant? Ah, oui, c'est ça. T'as d'abord fait. Je vais chercher le feu d'abord. T'inquiète. Ah, oui. Même si je vais pas utiliser d'ailleurs tout à l'heure, j'y pense. Ça va vraiment servir à rien. J'ai évité d'échapper les combats, vous pouvez le faire. Tu vas l'utiliser, non? Parce que c'est utile finalement. Bah, on peut s'en passer en tout cas. Mais des fois, c'est sûr que si je l'avais fait, ça m'aurait bien servi. Ah, et d'ailleurs là, niveau handicapé, on a la suivante où elle dit ah, j'ai soif. Oh, oui. Voilà, c'est pris. Oh, j'ai soif. Il y a une fontaine juste à côté, mais j'ai la flemme. Alors, du coup, va me chercher l'eau à ma place. Comme et, quoi, comme... Hein. Et comme ça, tu pourras parler à mon vieillard là, qui est dans ma cabane. Du coup, je pense qu'elle devait pas avoir assez soif quand même. Ou alors, enfin, ce jeu quand même rempli d'agoraphobes quand même. Ils sortent quand même, ils font un effort, mais ils restent pas près de la maison, on sait jamais. Et c'est, du coup, c'est marrant, c'est que tu donnes de l'eau pour avoir le feu. Parfois, ça reste dans l'idée de l'eau de. C'est quoi déjà? L'eau de feu? Non, c'est quoi? Les bouteilles, l'eau bénite, c'est. Dans Castlevania, quand ils l'ont traduit en censurant, c'était les bombes de feu. Je sais pas si vous écoutez d'ailleurs. Ouais, ouais. T'as perdu du temps. Ah non, je crois que ça vaut plus que 20 parce que la maison est bien au milieu, vous pouvez faire chier. D'ailleurs, ce village est le second village qui a pas, où il n'y a pas la vieille orange qui rend plus mana. Celui-là il est chiant. Enfin, moi, en vrai il est simple. Hein, oui, il est simple à passer, mais bon, il fait. Même à tuer. Ah ben, on va chercher à récupérer notre vie. Ouais, il suffit de mettre feu. Mais j'ai pas attaqué vers le haut. Oh. De toute façon, c'est bon, c'est oui, feu, et ça allait pas. Ça fait partie des rares ennemis où le feu est intéressant. Et justement, pour récupérer l'attaque vers le haut, il faut d'abord récupérer l'enfant, non? Ou c'est pour autre chose? Non, l'attaque de l'enfant, c'est pour avoir spell. Sort, ah oui. Pas, non, pas spell. Si spell, c'est pas sort, c'est reflet. Reflect, spell, c'est armé. Pour pour son battre, il est obligatoire. Ouais, c'est un des rares sorts obligatoires. Dans l'enfant est juste ici. Ouais, je réfléchis. C'est le seul sort obligatoire dans le monde, d'ailleurs.
Et justement, la VGN, à un moment, il avait parlé de ce passage là où Link qui tient l'enfant, tu sais, en l'air, tu sais, genre. Ben, remarque, il y a une, on peut voir une référence à ça dans Link Awakening lorsque Link porte Marine. Après. Je l'ai pas fait. Ah! Tu fais de la peine. Du coup, c'est peut-être une référence à Zelda 2. Ah bah tiens, tout à l'heure je vais montrer le glitch là, enfin le glitch. Si on c'est pas un glitch, quoi on peut appeler ça. Pour on va skip le... quoi les bubules. Ouais. C'est un skip. Allez, un skip. Ah oh, super, merci. Ça va. Oh c'est pas grave, c'est plus grave. Plus qu'il m'a poussé mauvais côté, mais c'est pas plus grave. Donc là, tu en fait, tu vas skipper des petits passages en fait en faisant spawn des ennemis sur toi. Pas le premier c'est bon, hein, tranquille, je vais le faire. Avec les bubules. Ouais, genre, tu veux dire. Non, là, il n'y a pas de bubule, c'est ça. Voilà, c'est bon. Allez. Par contre, les passages suivants, pour skipper ces passages-là, tu vas faire spawn des ennemis. Donc là, tu attends qu'il y ait des ennemis, voilà. Et hop, tu vas pile sur l'ennemi pour je vais sur la case. Je vais sur la case en question, et du coup, normalement, là, il y avait la même scène tout à l'heure, mais avec des bulles. Et du coup, bah, autant l'esquiver, quoi. Donc là, on a une maison avec un ciel violet, c'est assez bizarre. Parce que même, on va dire, même si c'était la nuit, les ciels sont pas violets. Hein. C'est plutôt bleu. D'un côté, j'ai envie de dire, c'est un monde orange. C'est un monde fantasy, donc limite. En plus, voilà. Donc là, tu vas utiliser Jump pour monter sur les toits. Ah, c'est ça. Pour pouvoir aller dans la cheminée d'une maison, ce qui est quand même déjà assez con. Bah, il y a personne qui squatte en bas. Mais en faisant ça permet d'avoir le up, le up stab qui permettra de. Qui sera très utile pour le prochain donjon. On voit quoi, il y a quand même toujours quelqu'un sur le. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, mais vu qu'il répond sur Skype, ça veut dire qu'il était très certainement en train de regarder le live. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui regardent. Si c'est le cas, peut-être que la page bug. Non, c'est possible. Du coup, c'est dommage parce qu'il ne peut pas participer. Ouais, c'est dommage. S'il y a des gens sur le chat qui sont en train d'écrire, malheureusement, je sais pas, peut-être que la page bug, mais en tout cas, on voit pas ce que vous marquez. On a vu qu'un seul commentaire depuis le début de... Yay. De Tyra qui a marqué Yay au tout début, mais c'est tout. Du coup, d'ailleurs, là, voilà, je vais donner le petit gamin... Le gamin qui a été kidnappé. Ah, Bart, il fallait. Ah, là, c'est Bart. C'est Bart de Looper.fr, attention. Hit my shot. Va te faire champigner. La vieille qui en plus manœuvre, je l'ai pas vu là. Bon, je l'ai raté, j'ai pas pris. Oh, t'en as pas besoin. Ouais, ça va, on peut s'en passer. Surtout qu'à l'entrée du donjon, on peut remplir le mana, donc c'est pas très grave. Alors, il est pas. Non, il est pas. Tant pis. De toute façon, c'est pas grave. C'est pareil. Je fais comme tout à l'heure. Ah, mais de toute façon, on va gagner la magie tout à l'heure. Là, tu vas faire pareil, tu vas skipper le passage. Ah, trop bien. C'est dommage parce qu'en plus, il était pratique ce qu'on avait fait là. Là, voilà, là j'ai réussi parce que je me suis déplacé. C'est cool. Allez, hop, c'est bon. Donc, c'est un skip assez connu ça. Enfin, de toute façon, tout le monde l'utilise. C'est tellement facile à faire, je veux dire. C'est pas très facile à faire. Pas besoin de voir pas besoin de voir des lignes de solus là pour comprendre ça. Je veux dire, enfin. Au moins, tu te dis, tiens, mais normalement, il n'y a pas quelque chose là. Et tu remarques finalement, t'as sauté la scène, donc t'as compris que voilà. Ah, mais j'attaque vers l'eau maintenant, c'est vrai. Mais oui. C'est clé. Petit salopin. Donc là, tu vas au prochain donjon. Ouais, voilà, on va le chercher. Dans celui-là, il y a les bottes, c'est ça? Oui. Donc les bottes qui permettront de marcher dans l'eau. Enfin, en tout cas, à certains endroits. Enfin, on l'a pris la vie, je m'en rappelle plus. En bas. De toute façon, je l'apprends plus tard. Oui. Pire, on verra plus tard, c'est pas très grave. De toute façon, je vous passe par là, chaque fois, il n'y a pas, je me suis fait avoir des points. Bon, on va voir le troisième up de mana. Donc là, en fait, tu fais un méga détour. Pour avoir le moins de combat possible. Pour avoir le moins de combat possible, parce qu'il faut savoir que si on essaie de prendre le chemin le plus court, on se tape des combats supplémentaires. Qui ne sont pas aléatoires, d'ailleurs. Oh ouais, qui ne sont pas du tout aléatoires. Et du coup, c'est plus intéressant, du coup, de faire le chemin le plus long. Pour gagner du temps.
Là, autant on gagne pas seulement plus de temps, mais on gagne autre chose. Ah, ouais. Là, c'est quoi que tu gagnes? Ah, du mana. Voilà, donc on est en troisième. Donc là, ouais, t'as récupéré trois fois du mana, et il y en a un quatrième pour avoir full mana. Enfin, plus tard, on rejoue. Est-ce que tu récupères? Je m'en rappelle plus. Je récupère tout, de toute façon. C'est vrai que tu récupères tout? Oui, je prends tout. Je prends toutes les vies du jeu aussi. Du coup, en fait, là, ton speedrun, c'est un 100%. Bah, ça enlève plus les sacs d'expérience, ouais. Et après, il faudrait que je sois au niveau 8 de partout. Là, je suis bien parti, pas de niveau 8. J'aurais 8 en attaque, d'ailleurs, ça c'est sûr. Je vais monter à top au niveau 8, en fait, on prend vraiment 18 là pour ça. Qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Et t'es là quand même 8 en vie, hein, je me suis pas plein. Bon. Du coup, le mana, je suis plein de mana ou pas, je m'en rappelle plus. Oui, je suis plein, je suis en utilisant, c'est bon. Donc, du coup, je peux me faire le début là. C'était une chien. Allez, une sorte de oui. Ah, c'est cool ça. Tu l'as fait dépop de l'écran, mais par contre, il repop. Il grand-pop. Le grand-pop. Donc, en fait, là, tu as déjà récupéré le reflect à ce moment-là du jeu. Oui, oui, ça y est, j'ai gagné en sauvant le gamin. Tu as récupéré en sauvant le gamin. Du coup, ça te permet de battre le boss final, le boss de ce. Ouais, et même les petits ennemis, les petits fantômes. Enfin, c'est des magiciens, je crois. Quand je suis petit, je crois que c'était des fantômes. Vu comme ils font. Et alors, parce que sinon, en fait, on peut pas finir le donjon tout simplement. Enfin, en tout cas, on peut pas battre le boss. Oui, c'est parce qu'il faut absolument réflexe pour le toucher. En lui renvoyant ses projectiles. Ah, purée, c'est plus. Alors, faut faire gaffe, hein, pas tomber. Fais gaffe. Non! Mais qu'abruti! T'as, je t'ai dit faire gaffe en plus! Fais gaffe, tu sais très bien qu'il est revenir. Ah, à chaque fois. C'est tellement pas logique qu'il revienne. Je le mets que la première fois, mais après, c'est tellement. Non, c'est pas plus. Il pourra pas revenir. Ben, à chaque fois. Là, t'as perdu du temps, ben. Du temps, la magie. Je t'ai dit fais gaffe, je t'ai bien dit avant. Allez, on commence, moi. Là, il a des pauvres, donc ça c'est normal. J'ai vu, il a eu revenir. Ah, est-ce que tu as un ennemi? Non, c'est dommage. C'est pas grave, mais tu récupères l'expérience. Ah, c'est bon, ça. Voilà. Là, tu l'as fait tomber pour ne pas te faire chier. Enfin, il est aléatoire, il aurait pu reculer tout à l'heure, mais d'ailleurs, il avait reculé la dernière fois. Je sais pas si t'en rappelles. Je me rappelle pas, mais. Si tu dis ça, ça doit être vrai. Là, tu vas faire exprès de tomber. Donc là, on meurt pas, en fait, on tombe dans un trou. Là, il faut que tu tombes deux fois, non? Non, là, il faut essayer pour récupérer la flûte. Pas la flûte, les bottes. Les bottes, voilà. Ouf. Tu peux tomber à l'infini, je crois. Non, là, non, pas celui-là. Non, c'est non. au donjon. Là, non, après, il y a du feu. Hein. Sans tu le vois. Oh, bah, ça va. Non. Aïe, allez, mais viens, n'est pas con. Du coup, là, tu vas encore monter en arme. Oui, allez, hop. Le prochain donjon est pas trop dur encore. Oui, c'est bon. En plus, j'ai l'attaque haut, plus je vais le gérer vite. Allez, hop. C'est bon. 8000. Et après, du coup, je monterai à 9000. Et du coup, voilà, ça, je boosterai à fond. Puis voilà. Et je veux deux donjons. Donc, normalement, je devrais avoir niveau 8. Donc là, j'ai mieux joué, du coup. Là, enfin, je joue plus dans le. La fois, c'est un peu le petit zizi que j'avais fait. Ouais, petit zizi, ouais. Bon, par contre, j'ai beaucoup moins de défense. Quoique 4, je vais avoir 6. Ouais, je vais avoir 6. Donc, ouais. Bon, c'est pas grave. Ah, je suis mort. Ah, oui, c'est vrai, effectivement, il y a de la lave. Mais bon, après, dans ta partie, tu vois, si ça passe la choquer, tu peux tester. Là, j'ai pas trop. Tu vois, là, j'ai pas. Oh, mais c'est trop. Je suis attention, ça va revenir. Ah, ouais, ça dépop. Ah, enfin, quelque chose qui se passe bien. La boule magique pour faire chier. On va faire la décile avec. Ouais. La boule de lavage. Il peut pas partir. Il aime bien là. D'ailleurs, ils sont chiants des fois et t'arrives à le faire sortir du trolling. Des fois, t'arrives pas, tu comprends pas trop. Ouais. C'est aléatoire. Ouais, il va dire. Après, j'en sais rien. Ah, il est un peu fou là. Ah, c'est fou.
Oula, tu as bien esquivé, hein. Là, par contre, c'est ton champ, ces ennemis, parce qu'ils pop n'importe où. Non, ils sont pas chiants, du coup, ils sont tellement faciles, hein. Il faut juste pas être dessus, c'est tout. Ouais, c'est ça. Là, je vais chercher une clé. D'ailleurs, je me rappelle plus, le boss sans le réflect, est-ce que tu peux quand même te protéger avec le bouclier de ses attaques? Oui, mais ça rendra rien, donc je peux pas faire des dégâts. Oui, de toute façon, le bouclier, t'as vu, jusqu'à maintenant, je l'utilise pas trop, pas spécialement. Voilà, donc là, t'as l'escalier optimisé comme tu veux. Là, on voit que tu gères bien les patterns en plus des ennemis. Moi, je sais que dans ces passages-là, je me fais toucher plusieurs fois. Non, tu le sais, mais du coup, ouais, mais même, je pense que je me ferai toucher quand même. Est-ce que je fais un petit kiki et je monte pour recharger mon mana? Ouais, fallait que je le joue. C'est pas bien, mais. Avec la chance, je veux directement une boule, donc c'est ça. Ouais, elle est une boule magique. Et là, ils sortent, hein, là, je m'en fous. Hein. Vraiment, des enfoirés. Hein. Tout à l'heure, on avait fait une partie, tout à l'heure, où on avait besoin d'expérience et le sac, on n'a pas eu accès au sac parce que l'ennemi voulait pas sauter. Et là, comme par hasard, quand on n'en a pas besoin, l'ennemi saute. Alors. Là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu refais la combine de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est pas tous, hein. Genre, le prochain donjon, ça marchera pas. Le premier, ça marche pas non plus. Le sixième, ça marche. Il y en a tout le temps. Dans le donjon 2, ça sera toujours une capsule. Et je crois que dans le 6 aussi, mais je suis pas sûr dans le 6. Il me semble. Bon, j'ai chaque fois de la chance. Oh, chaud. Là, en fait, il a pop sur toi au moment où t'as ouvert la porte. C'est ça. Par contre, t'es obligé de... Ouais, mais pas tout de suite. Non, je suis pas obligé. Pas le défaut le truc. Oh putain, dommage. Ouais, ah, j'ai fait un truc sympa et j'ai caché. Faut que je fasse gaffe à la magie là, parce que du coup je suggère la magie pour battre le boss. Là j'ai pas le choix, c'est parti des rares boss. Bon allez. Ah, il faut deux coups, c'est bon. Bon allez. Allez hop, premier. Ah non, il est pas revenu. Allez, encore lui d'ailleurs, il va être encore resté niveau 7, n'empêche que ça fasse vraiment la donne tout à l'heure. Voilà. Ah, c'était pas si facile. Voilà. Ouais, non, ça sert à rien de prendre. Voilà, donc si vous voulez faire des escaliers comme fait Yann 930, oui, mais ton pseudo à 930, hein. T'as choisi de mettre 930, hein, bah c'est tant pis pour toi. Hein, vous êtes dalle. Ok, merci. Mais non, petit corbeck. Bon, là, c'est... le grand corbeck. Ça me dit pouce vert, c'est ça? Ouais. Alors. On va dire fail. Oh putain! Non, je t'allais. Ah, c'est dangereux. J'aime pas le risque, mec. Allez. Donc, on reviendra pas pour l'instant. Là, bah, y'a la clé. De toute façon, je peux faire ferry comme je me suis fait avoir l'erreur. Bah, c'est pas là que je me t'ai fait avoir. Ah, bah, ça me fait créer. Enfin, bon, je suis bien sûr. Ah, parfait. Voilà. Ah oui, un truc que j'ai remarqué. Un truc que j'ai remarqué, c'est que ces ennemis-là. Oh, c'est que. D'ailleurs, il faut faire 80. Oh, j'ai dit ça, peut-être qu'il me faut le refaire et que je le prenne d'ailleurs. Oh, sans plus. Et t'as suffisamment là de magie pour faire. Je sais pas, 80, 16, 32, 64, 64 et 7. Ah ouais, c'est vrai, j'ai plus de. Donc là, faut plus j'utilise rien, je dois pas me soigner. Au pire, elle va faire une vie, c'est pas grave. Mais là, du coup, j'aimerais bien avoir un petit sac de. Oh, bah, du coup, je vais essayer de speeder. Mais... Ouais. Et faut avoir de la chance parce que du coup, il est comme. Du coup, je vais peut-être pouvoir perdre sur le boss, quoi. C'est pas mal parce que ce boss, quand ils sont là, si j'ai pas de chance, je vais perdre contre lui. Alors que c'est le plus facile. Ouais. Parce que du coup, vu qu'il peut popper sur moi, bah, du coup, je perdrai. Ouais. Et perdre, c'est pas cool. Oh purée, là, putain, je t'ai pas pris les gars. Non, tu prends pas, c'est de la merde. Allez, boss fight. Okay.
Je sais pas si. T'as passé ? Ouais. Okay, bah, non, bah, suicide-toi. Hein. Ouais. Un coup, c'est. C'est ballot. Tu vois, j'aurais dû prendre le soda, j'aurais dû le prendre tout à l'heure. Ouais, mais je savais pas que ça coûtait autant. Je bah là, c'est parce que j'ai niveau 3 tout à l'heure, j'avais niveau 6, donc c'est pas mal. Ah oui, alors. Oula. Là, tu l'enchaînes bien, par contre. Bah, attends. Oh là là, quelle stratégie incroyable. Voilà, quel style. Tellement fort, en plus tu t'es fait toucher par contre, ça c'est pas cool. Ça c'est à ce qu'il lui peur qui m'a sauvé. Je peux pas gérer. Bon, est-ce que je fais monter un peu tout le... Ouais, je vais faire monter un peu tout le reste, ça va pas trop... C'est pas grave. Ouais, parce qu'en plus, t'as la magie 3, c'est quand même plus utile de monter la magie. Ouais, et de toute façon, le donjon, après j'augmenterai encore, donc c'est pas grave. Au pire, je monterai 8, donc ça ira. Non, c'est ça. Allez, du coup, je vais voir si j'ai pris la vie. Comme maintenant on peut aller sur l'eau, c'est magique. Ça, ça dépend où les endroits, ça. Ouais. C'est là où c'était programmé. Et là, ça a été programmé. Est-ce que je l'ai pris ? C'est parti. Ah, c'est parti. Il me semble bien que là, tu récupères un cœur. Faut oublier. T'as 5 cœurs, non ? Oui, ouais, c'est ça. Ça. Pour avoir plus de vie. Là, finalement, t'avances plutôt bien. 1h13, ouais. Alors, oui, alors, j'ai gardé. Le reste. Voilà, et maintenant, du coup, tu peux monter en niveau de partout. C'est, là, c'est juste génial. C'est 3008. Ouais, c'est bon. Du coup, maintenant, t'as 600 magie, 600 vie. Est-ce que tu augmenteras, du coup, la vie, enfin, quand tu seras arrivé à 2500, tu montes la vie? Je sais pas, je vais voir. Je préfère. J'hésite. Du coup, laisse deux donjons. Bon, ça va, je vais voir. J'hésite. Voilà, là, il n'y a rien en tout cas. Mais je. Que finalement, 7 en attaque, j'ai l'impression que ça suffit. 7 ici. Bah, tout à l'heure, j'avais 7 en attaque et j'avais 7, 7, 8. Donc, là, l'attaque, normalement, ça va me suffire. Normalement, c'est sûr, non. Là, il faut utiliser Ferry, en plus ça vous fait moins de magie, en fait. J'avoue que là ça va vraiment m'arriver. Ouais, je vais pas faire comme tout à l'heure, me tromper de chemin. Il y a des chemins qui servent vraiment à rien ici. C'est le premier donjon où ça fait ça d'ailleurs. Après il y aura aussi le prochain donjon qui va faire. Ah bon ça j'ai fait des choses passer. Donc là tu retournes en arrière pour récupérer la clé que tu pouvais pas récupérer en étant le fait. Il est stressant ton point d'écran. Ah oui, effectivement. Toi, t'aimes pas ça en plus. Ah oui. Bon, en fait, parce qu'en fait, sur mon ordinateur, j'ai un fond d'écran qui change toutes les 30 minutes. Et là, là, c'est tombé sur un fond d'écran que tu n'apprécies pas trop. C'est surtout que le fait que ça change brusquement comme ça. Ouais, ça, oui, oui. Ça me le fait des fois quand je joue, ça me perturbe un petit peu. Mais, j'aime, sens, mais j'aime bien. J'ai envie de dire. T'es déjà naturellement perturbé, donc c'est pas bien grave, tu vois. Moi, ça me gêne un peu plus. Ah. Surtout les vidéos où je regarde. Attends, alors là, par contre, j'augmente la vie. Ouais, donc. Voilà, j'augmente la vie. Voilà, là, faut pas aller à droite, ça sert à rien. Perte de temps. D'ailleurs, je l'avais fait. Ouais, du coup, tu vas rattraper le retard que t'as pris en allant pas. Je pense que j'ai déjà rattrapé. Parce que du coup, je m'en suis mieux sorti et perdu. Et en plus, je parlais des fois, si je réfléchissais un peu, là, du coup, j'ai pas. Là, t'es plus récupéré la clé. Mec, ok, allez. Là, potentiellement, enfin, moi, c'est ce que je peux faire pour gagner du temps, mais voilà, tu vois. Surtout que. Ok, là, tu joues mal. Voilà, ouais, ça va gagner un petit peu de temps. De toute façon, il faut que je profite du nombre que j'ai 6 et 6. Hein. Ah, ben. Ah, ben là, ah, ben tiens, ça tombe bien, de toute façon, des fois, ça m'est servi à rien. Tiens, ça arrive. Et ouais, ben, je suis fou. Ben, c'est parfait. J'avais tout calculé en fait. On va presque plus faire chier. Ouais, bon, là, je vais vraiment faire l'idiot comme j'ai fait tout à l'heure. Ces ennemis sont tellement basiques, surtout un coup de cul-bas. Alors là, toujours à droite, c'est en dessous mon cul-de-sac. On va y aller. C'est les deux seuls chemins où c'est le cul-de-sac. Avant, il fallait partout. Jusqu'à maintenant, il fallait partout d'ailleurs. Dans les 5 premiers. Non, c'est 4. Les 4 premiers donjons, il faut aller partout. Je réfléchis. Là, il fallait à droite. Là, il y a de l'expérience. Oh, on va le chercher. Là, ça, ah, c'est, oui. Ça peut être utile, hein, d'accord. Allez, hop. Il va mourir.
lag. Hein. Ah, purée. Enfin, lol. Et du coup, est-ce que c'est intérêt d'aller à gauche? Oui, parce que du coup, je vais essayer d'atteindre le palier pour avoir l'attaque au niveau max. Comme ça, t'inquiète, voilà. Il faut que j'arrive à 3500, je les aurai, 3500. Le boss me donne 500, je crois, de mémoire. Donc voilà, ça va le faire. Je descends pas, du coup. Ça servira à rien, normalement. Et là, par contre, je peux ça. Allez. Bien sûr. Aïe. Sinon, tu peux pas récupérer la clé autrement. Oui, on passe de la même avec de l'élan. Ah, putain, après dans le donjon, faut pas que je me fasse avoir, là, avec le trou en soi, là, qui est chiant. Voilà, ça va être tranquille. Là, il va avoir un nouveau Darknut, enfin, il rentre Knuckle. Pour l'instant, t'as perdu combien de vies? Une ou deux? Deux, je crois. J'ai perdu une en donjon, et une, bêtement, je sais plus comment j'ai perdu. En mort, je crois. De toute façon, on va toujours descendre des vies, ça peut encore dans le jeu. Allez. Hop, voilà. On va là c'est normal, là c'est pas un glitch, c'est le jeu qui est codé comme ça. La plupart du temps les informations sont données par des PNJ spéciaux. On les trouve souvent dans les maisons, ils sont fixes. Ils donnent des informations disant il paraît qu'il y a des murs invisibles et tout. Je crois qu'il y en a qui disent il y a un mur invisible, enfin un passage secret gardé par un Hero Knuckle, je crois qu'il dit c'est une information comme ça, donc du coup c'est pour ça que tu le sais. Mais par contre, ce qui est con, c'est pour les occidentaux, par exemple pour les français, pour les anglais ça gêne pas, mais pour les français, par exemple, le jeu est en anglais. Donc si tu sais pas parler anglais, tu l'as dans l'os à ce niveau-là. Tu sais que, vu que j'ai eu le jeu à l'époque, toi aussi tu devais peut-être l'avoir à l'époque. Oui. Oui, je sais pas si t'en rappelles dans la notice, ça je m'en avais lancé, je me fais marquer. Pour la notice, je la visais pas à l'époque. Il mettait des mots, il traduisait des mots. J'arrivais pas à l'aspect, etc. Les mots comme ça, les gros mots, les grands mots, enfin les mots importants, entre guillemets. Il traduisait pour que les gens comme ça qui étaient des grosses bimes en anglais, et ben voilà, s'ils faisaient un peu d'effort, ils prenaient ça, ils prenaient un dictionnaire, c'était. Il avait fait un petit truc comme ça, c'est sympa. Bon, maintenant ça serait. La personne, on irait une bonne pour une bio, quoi. À l'époque, c'était pas la même mentalité, hein. J'avais dit rien que Beat the Mole, c'est la preuve, quoi. On appelle Beat the Mole, non, c'est absurde. Et bon, ça, c'est une question en sens. Beat the Mole, ça. Ça devrait traduire en français, ça devrait être plutôt dans le truc dans le genre attraper les tous. Non, c'est surtout qu'ils ont. Enfin, c'est surtout qu'ils ont voulu garder le terme anglais, mais le terme anglais, en moins, c'était Beat them up. Ouais. Après, maintenant, les deux sont amis, on s'en fout, hein, mais. Oui, là, je pars, j'ai pris le bon chemin, je me souviens pas. Donc là, en fait, tu vas. Chercher vers le boss, le... Non. Bah, t'es bientôt au boss. Je vais chercher le. Il est sur le même chemin, je crois. Non. Après, il faut que je revienne sur le pas. Et du coup, je vais pas. Là, l'objet, c'est. Oh, c'est la flûte. Putain. Tiens, la fameuse flûte. La fameuse flûte qui m'a fait bloquer ma partie entièrement. Tiens, c'était beau quand même. Du coup, t'as la preuve qu'on pouvait bloquer le jeu. Je croyais pas d'ailleurs, je pensais pas que ça possible. GG d'ailleurs, en fait, au passage. Ouais, parce qu'en fait, il y a un truc, les gens. Il y a des gens qui ont dit sur internet qu'on pouvait pas bloquer. Qu'on pouvait. Bloquer sa partie en prenant des clés, tout ça, au mauvais moment, de repartir dans les donjons, enfin, faire les donjons, en gros, dans le mauvais ordre, et se retrouver avec une partie bloquée, pour pas avoir récupéré tel ou tel item. Et notamment, ben, moi, j'ai bloqué ma partie en terminant, un donjon sans avoir récupéré toutes les clés. Ouais. Et du coup, il m'a manqué une clé pour récupérer la flûte. La flûte qui est essentielle pour finir le jeu, pour atteindre le boss final. Après, on peut pas bloquer comme ça. Je veux dire, c'est pas si tu fais on fait donjon dans l'ordre, on ouais. Sort pas. Là, c'est facile, il a eu. Non, il m'a eu. C'est touché au dernier. Alors là, on remonte. Là, il y a un sac qui se transforme. Donc, il avait voulu pour te faire. Il avait joué sur deux donjons en même temps. Et du coup, il avait fini un donjon sans prendre une clé, puisqu'il avait eu dans l'autre donjon. Et là, on s'en fout. Et là, il y a. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais voulu avancer dans le jeu pour garder les bonus d'expérience que toi tu récupères en fin de donjon quand tu le finis. Je voulais non, pas finir je les prendrais pas. Je prendrais pas ça aussi. Le sac d'expérience, il y a 50 en plus, c'est vraiment un truc confus. Allez, oh bon, oh, bonsoir. D'ailleurs, tu sais que si. Non, on s'en fout. Si. Il te fait chier au Darknut, un truc que tu peux faire facilement, c'est que toi tu perds, tu fais ça, tu fais du 1, tu passes dessus, tu fais ce qui est facilement en combat du coup. C'est pas mal ça. Ça c'est ce que je faisais à l'époque, hein, je savais pas trop le combattre lui. Mais bon, mais là t'as vu, il est tellement facile finalement. Puisque en plus c'est le cas, enfin. Ouais, mais ça fait gagner du temps quand même, ton truc. Tu sais que ça va faire gagner une ou deux secondes. Je le tue en 4 secondes, donc normalement.
Ouais, mais là, c'est... là t'en je sais pas. Là, t'en perds 2 pour Et je perds un peu de mana, mais je pense que ça ne fera pas dérangeant. Ça dépend de voilà. Comment tu gères le mana. Normalement, bah, je vais avoir besoin de shield et peut-être un voilà, normalement ça devrait suffire. Allez, attaque-toi. Là, t'atteins le boss. Voilà, c'est ça, fait ça. Finalement, t'aurais pu passer au-dessus, non? Ouais, mais bon, je sens qu'il avait marre de vivre. Surtout qu'en plus, c'est triste, parce qu'après, quand ça devient un gros rocher, le donjon, c'est un peu cruel. On est tué plutôt qu'être pétrifié à vie. Ah, c'est celui-là où t'étais mort tout à l'heure. Comme une merde. Voilà, pourtant, il est super facile, celui-là. Voilà. Purée. What? T'as, tu l'aimes pas, ce boss, hein? Pourtant, il est pas difficile. J'ai perdu le pattern, alors que... Lui d'ailleurs c'était ce boss, car une fois je m'étais fait un run en attaque 1, enfin sur la console. Bon, what? Ouais. Putain. Ouf. Voilà, oh, ah, j'ai stressé. Hein. Ça t'a fait effrayer. T'as failli reperdre sur ce boss. Alors qu'il est naze. Il est naze. Oui, il est nul. C'est... Mais bon, c'est pas le plus facile, mais c'est pas le plus difficile. Non, il est naze. Bah, c'est surtout que des fois il replie tout, mais même, je veux dire, il suffit d'être sauté au bon moment, tu sais ce que ça a été qu'elle est toujours. Même niveau, donc voilà. Non, le vrai problème, c'est enfin, à une époque, on avait dérangé. Non, c'est pour ça que je sens que j'ai régressé. Ouais, bah, je prends le sac d'expérience, ça va être intéressant pour moi. Oui, voilà. Hop, 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 oh, bah, c'est parti. Elle a fait. Ah, elle a disparu. On s'en fiche, je prends chez vous. Allez, hop, attaque. Du coup, je vais me faire 1000 expériences maintenant, je vais essayer de monter. La vie d'un niveau, comme ça, quand je monte. Ouais, c'est en train de une bonne idée. Je sais pas si je vais assez l'expérience. Bah, il y a tellement de boss dans le prochain ensemble, si c'est bon, ça devrait le faire. Allez. Donc là, tu vas. Allez, venez, hop, c'est. Lol. Donc là, t'as d'esquiper le. Ouais, l'eau, ça les tue, il n'y a pas de scène. C'est le seul moyen de ne pas avoir de scène de combat. On va pas se faire toucher. Je vais y aller avec. De toute façon, on n'allait pas grand chose. Vu que je fais ça gaffe pour la suite, j'aurais pas besoin de me recharger du coup, parce que ça sauf si je suis handicapé. Ouais, il y a un ennemi, il y a ce qui est les scorpions, non? Ouais, c'est ça. Ah, il a fait mon voir. Il faut lui là. Ça, c'est juste pour récupérer un sac de 500, donc je veux dire, c'est les plus gros sacs d'expérience. D'ailleurs, je me sens bien si les ennemis peuvent pas la popper ça. Les ennemis qui. Non, je crois pas. Je crois qu'on a bien de doute. Allez. Voilà, j'en étais sûr. Tectite. Tu fais avoir pour un Tectite. Bon, après, je vais choper la dernière. Non, l'avant-dernière vie du jeu. Toi, tu utilises la flûte. Ouais, c'est ça. Très jolie mélodie. J'ai mis 6 mois. J'ai mis 6 mois pour la fin. Ah, les petits cailloux. Les fameux petits cailloux. Ouais, tu te fais avoir bêtement. Purée. Jolie esquive. Ah, mauvaise esquive. C'est marrant, tout à l'heure, j'avais tout esquivé. Ouais. C'est tellement. Enfin, c'est... Avant, quand j'étais petit, ils m'emmerdaient. Alors qu'en fait, ils limite sont gentils parce qu'ils font toucher, TMS, ils font quasiment rien perdre. Allez, d'ailleurs, tiens, je vais en profiter. En même temps, c'est des cailloux ou c'est pas des. Enfin, on dirait des boules de feu. Hein. Parce que vu la couleur et tout, c'est un peu bizarre parce que. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, des cailloux bien ronds, pour bien faire mal. Du coup, on va pas la faire life. La vie, c'est cool, quand même. Ah, on s'approche des cailloux. Allez. Tout à l'heure, moi, j'avais vu que ça se marquait. Non, mais je le savais, mais je sais pas. Je me concentre plus trop, là. Ça va, au niveau du temps, 1h26, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, pour... Tu pourrais me faire toucher, là. Moi, pour l'instant, je suis pas mieux. Je joue mieux que tout à l'heure, en fait. Il n'y a que. Bah c'est... En fait, il est plus facile. En fait, lui, il est plus facile en... quand c'est un groupe, quand c'est un petit. Oui. Voilà, l'avant-dernière vie. Du coup, je suis à combien? 3 vies, d'accord. C'est là. Oui, oui. Bah, en plus, je vais avoir une 4ème vie encore. Donc là, tu vas. Non, on s'en fout les 3.
C'est juste pour avoir l'expérience. Est-ce que c'est le gros? C'est le gros, il n'y aura pas les ceux qui sautent, ceux qui sont chiants. Allez, hop, ça se fout. Voilà, allez, c'est bon. Tant pis, là, l'expérience. Donc voilà. Là, tu vas dans la ville. Oui, la ville secrète. T'avais emmerdé quand t'étais petit. Allez. Lol. Troll. Faire live. Allez, je vais faire fier. Bon, une fois, on va s'en servir. Voilà. Ah oui, bien, c'est que tu tues. Allez, salut. Ah ah ah. Petit con. Tu peux passer au-dessus ici. Comment est-ce que tu veuilles l'expérience? C'est difficile pour moi de faire quelque chose, de faire gagner du temps alors que c'est mon seul objectif. Bon, allez, ça fait plaisir pour moi. Allez, on va chercher le dernier bloc de mana. Pas la dernière. Le dernier sort. Non, pas le dernier sort. Le dernier sort c'est Thunder. Oui. Non, je parlais du dernier carreau, le quatrième. Ah oui. C'est une vieille qui le détient. N'empêche que enfin, dans sa cave. N'empêche dans ce jeu, c'est le seul Zelda, je crois, peut-être avec le 1, j'ai faut que je réfléchisse, où tu piles pas les gens, tu voles pas, tu prends pas les affaires, c'est lui que tu laisses rentrer, ils ferment la porte, là ils sont ensemble, ils sont pas bêtes dans ce jeu. Ils sont plus logiques en fait. Bon, dans le 1, d'un côté il y a personne, donc on peut rien ouvrir. Donc, et, en, et en plus, ils t'aident, c'est souvent quand ils t'aident que c'est quand tu les aides. Et ouais. La vie. On va chercher le dernier sort. D'ailleurs, lui, ce sort, c'est le plus original. Du coup, tu rentres dans une maison, hop, un petit passage. Donc là, c'est quel sort? C'est spell. Sort. D'ailleurs, c'est con, un sort, c'est pas le sort. You learn the spell, spell. Il avait pu dire, on va l'appeler. N'empêche, c'est le plus original des techniques. Mmh. Elle peut être utile, d'ailleurs. Mais elle sert pas beaucoup. Elle peut être utile. Elle sert à. Bah, par exemple, tu sais, tu lisais, quand j'y pense, là, à ton ennemi, tu prenais pas la croix. Et ben, si tu fais spell, ben, les ennemis deviennent des blobs et tu les vois apparaître. Ouais. T'as vu la taille de la porte du truc, quoi. C'est ça. Est-ce que tu l'as vu, les 12 crapauds d'Astérix? Oui, je l'ai vu 50 millions. C'est ça me rappelle le combat avec le Germain. La porte d'or. Le gros monsieur d'abord. Ouais. Je ne suis pas gros. Donc, je ne suis pas gros. D'abord. D'ailleurs, ce qu'il prend, Bilks, c'est la seule fois où il mange une. Ouais. Bon, après, c'est l'autre qui mange. Astérix, il est juste excellent ce film. Ouais. D'ailleurs, j'avais vu, ça s'explique une fois maintenant, il y a des fois des trucs un peu glauques et tout. Enfin, pour un Astérix, c'est assez étonnant. Ouais. Bon. Non, vraiment, les 12 crapauds d'Astérix, pour moi, c'est mon préféré Astérix. Ouais, je pense que c'est le meilleur. D'ailleurs, le premier, il est pas terrible. Quel premier? Ah, c'est que le boulot, je trouve pas génial. En animé? Ouais. Je m'en rappelle plus. Il est pas. Je m'en rappelle plus. Enfin, bref, on s'en fout, on reprend. Ouais, donc là, tu vas au donjon suivant. Ouais, et d'abord, je cherche le dernier bloc de mana. Ouais. Mais après, ouais. De vie, tu veux dire? Oui, de vie, oh, ça. Bonsoir. Allez, passe. Tic-tic, j'essaie d'éviter de prendre de la mana. De gaspiller la mana. Même si t'en as pas mal. Hein. Oui, mais bon, dans le donjon, je peux en mettre fou parce que du coup, je suis pas sûr qu'il y ait une jauge de mana au début. Donc... Enfin. Un flacon. Tu fais ça pour récupérer. Oh, avec un P. Ouais, 200. Ça te rajoute un peu plus, ça rajoute ouais, 50. De 50. De toute façon, pire des cas, c'est que tu perds une plus. C'est pas spécialement. Là, tu vas récupérer une vie, c'est ça? C'est ça. Qui est caché d'ailleurs. Là, par contre, je crois qu'il y a aucune indication. Je suis pas peut-être que dans les arbres, je suis plus très sûr. Allez, maintenant, le seul intérêt de la flûte. Enfin, non, il y en a deux. Fait peur aux araignées. Et aussi pour activer ce donjon. Ah. Merde. C'est là. T'as failli refaire l'erreur que. Oh, pff, on perd 3 secondes, c'est pas dégueulasse. Alors, vite par priorité. Enfin, il y en a eu du coup d'avoir aussi du mana. Mais c'est pas tout le temps. Hein. C'est que dans le jeu d'eau, c'est tout le temps. Encore en bas.
Du coup, ouais, hein, on n'a pas dit item qu'on a eu juste avant, c'est en fait, ça permet d'avoir les clés infinies. Du coup, les clés, ça sert plus à rien. D'accord. C'est même à 8, il faut 2 coups pour les tuer. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est mis comme je veux. Allez. Bon, allez, viens. Allez, viens. Ah, ah dommage. Ouais, c'est pas mieux. Hein. Allez, je l'ai su. On va faire son malin, après je vais faire du temps pour ça. Allez. Ah, mais oui, j'ai déjà un plein d'armes. Je passe au-dessus. Ouais, je suis. Ça me fait du mal de pas le tuer. Surtout que je fais quand même gaffe à l'expérience. Hein. Ouais, mais bon, là t'es à 25. Ouais, d'ailleurs, ça fait monter quoi? Le mana. Non, la vie. Sinon j'aurais pu utiliser les tuer justement, c'est dommage. La vie est cruelle. Voilà, ça c'est fait. Allez hop, ça c'est fait. Allez, plus de vie. Ah oui, ce que j'ai pas dit, je crois que je l'ai pas dit, mais quand on monte en niveau, par exemple en mana ou en vie, par exemple si on monte en niveau en mana, ben ça restaure tout le mana. Et du coup c'est... J'en ai parlé tout à l'heure vite fait. Ouais, ben juste avant de monter en niveau par exemple en mana, on peut utiliser un maximum de mana pour profiter avant, parce que si, de toute façon c'est du mana perdu dans tous les cas. Le mana qui n'est pas utilisé, il est perdu. Parce qu'après on récupère tout son mana. Voilà, bah là vu. Ah non, mais j'en reviens bien trop, c'était le trou. Ah bah ça c'est cool. Du coup là tu peux expliquer ce que j'ai fait. Oui, donc en fait, pourquoi tu as sauté? Je vous montrerai après, sinon je vais la faire tomber. Pourquoi tu as sauté? Pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a un trou qui est pas visible à l'œil nu. D'ailleurs c'est con de dire un trou visible parce qu'en fait le trou est censé être vide, c'est con. En fait, c'est un endroit où c'est marqué comme s'il y avait du sol, mais en fait, il n'y a pas de sol. Et là, tu viens de violer le boss de chez vous. C'est ça, c'est un demi-boss. C'est un petit demi-boss. Voilà. Et là, c'est pour récupérer la croix donc qui te sert à... avoir les ennemis invisibles. Voilà. Parce qu'il y a des... Dans la dernière ville, et aussi dans les derniers donjons, il y a... donc des ennemis qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont ultra chiants, enfin perso je les trouve ultra chiants, ils le sont. Même invisibles ils sont déjà chiants. Voilà, vous avez vu là il est tombé, parce qu'en fait le trou était pas visible à l'œil nu. Et donc les ennemis invisibles on peut les rendre visibles avec cet objet. Du coup c'est pour finir le jeu, c'est. On peut finir le jeu sans avoir cet objet, mais c'est très très chiant. Est-ce que tu penses que tu vas atteindre les 3500 avant la fin du monde? Sachant qu'ils font même 4000. Hein. Je serais deck si je les ai pas. Bon, c'est pas très grave. Hein, mais... Pourquoi 4000? Ah, pour arriver aux 9000 points d'expérience et du coup augmenter un peu tout. Non. D'accord. Merci, tu vas avoir du mal. Vous ne passerez pas! Merci. Voilà, non. Oh purée! Allez, te trollver comme il faut. C'est une mamie. Ouh, là, il te troll bien aussi. Des fois, depuis, ils sont... ça ne sert à rien. Là, on va faire chier. GGE, du coup. Faut se faire. Bien. Là, en fait, tu vas où? Je continue, je vais au boss. J'ai une partie l'objet dans le coup, non, je l'ai pas eu. Si, je l'ai eu. Donc là, je vais aller vers le boss. Ah, j'ai dit une bêtise. Il y a 2 vies dans ce... encore. Il y a encore une vie dans ce donjon. J'ai oublié. Nimp. Voilà. C'est ça. Donc, allez. Par rapport au... D'ailleurs, j'ai parlé du World Record sur ce jeu, donc sans les glitches. Le World Record, il y a 1h01, je crois. 1h01 et quelques secondes. Toi, tu es déjà à 1h36, lol. Non. Tu as déjà 35 minutes de retard par rapport au record du monde. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais par rapport au temps que tu fais habituellement, est-ce que pour l'instant tu es satisfait de ce que tu fais? Bon, ouais, ça va. Ah, lol, il est tombé. Ouais, ça c'est un truc chiant, mais bon, du coup, vu que j'ai pas à revenir là, c'est pas très grave. Ouais, ça va. C'est pas génial, mais de l'autre côté, je suis pas là à faire un temps vraiment petit à fond.
Allez, suicide-lui. Ah, alors lui, il te frôle. Dès que t'as attaqué, il dit, oh, ça fait peur. Il est mort, il a cherché. Et eux aussi, ils groupent pas d'ailleurs. J'ai des ennemis qui ont pas. Ah. Est-ce que je vais arriver au... Je crois que le boss là est de 1000 en puissance, je sais plus. Donc j'arrive à 3000. Donc là tu dois te mettre obligatoirement en fée. Parce que d'ailleurs il va falloir que je meure. Parce que, à moins que j'ai un pot de mana, j'aurai besoin de fée encore. Donc je vais me faire de mourir. Aïe, je pense. Aïe, 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 aïe. Pas grave, je vais faire de mourir. Je laisserai. Bien, ce qui est marrant, c'est que là t'as pas perdu de vie, je crois. T'as perdu juste de mana. Non, en fait j'ai perdu de la vie, mais très peu, tellement ils sont faibles. Eux, ils en avaient... De base, ils avaient un peu un carreau, c'est un des rares ennemis qui, dès le début, ils n'avaient pas. Pourquoi ils descendent là? C'est n'importe quoi ça. Pourquoi t'aurais pu faire exprès de te faire toucher là? Si tu comptes mourir. Ah, j'ai lui aussi. Ouais, ça, ah, oui. J'ai bien essayé, c'est quand même. Bon, normalement, c'est sans problème, mais bon, j'ai jamais. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Oui. Là, bien sûr, on va passer, c'est chiant, pour moi. Terrible. Ah, et deux voilà. Donc avec, ah, avec 8 en attaque, 2 coups ça me suffit pour le tuer, en tout cas dans la forme finale. Je sais pas, je vais avoir essayé de faire jump. Si j'essaie de faire jump, j'essaierai de prendre la vie et je me laisserai me faire tuer par les bubbles. Ouais, mais bon. Là j'ai vu, t'as déjà tous les... t'as déjà tous les items du jeu là. À ce moment là, il me semble bien... Oui c'est bon, j'ai tout. Qu'est-ce que tu veux faire là? Je veux le tuer, chercher la vie et me laisser mourir. Parce que l'euthanasie c'est cool. Allez. J'adore quand il se fait toucher, quand il ramasse un objet, c'est marrant. Allez. Oh là là. Ouais, non mais. Ah, tu peux pas mourir en faisant. Si, si, mais. Enfin, la mourance, je perds du temps. Ah, bon sang. Pas de chance. Allez, allez, allez. Purée, quand on va mourir ce jour, on meurt pas. Il faut te faire toucher encore 5 fois, je crois. Ouais, okay. Alors, on avait un carreau entier. 2, ouais, 7, 5, 3. Peut-être même 6. 3, ouais, 6. 4. 3 fois, je dirais. 5. Ils sont pas mis au petit, là, peut-être. Ils font chier. 1. Ouais. Ouais. 0. Oh, ah, bah non, la vie 0 compte, en fait. Bon. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, t'as perdu pas mal de temps. Hein. Et au moins, t'as full maintenant. Des fois, ils disaient, peut-être que je faisais, c'est que je mettais sur Life, mettais Fairy ou je mettais sur Fire. Donc, du coup, j'étais bien dingue. Ouais, là, c'est le seul moyen d'atteindre cet endroit, c'est de se transformer en Fire. Ouais, pas le choix. Ouais, je pense que j'ai magie, ça sert à rien. Comment si je me handicapais, ça ira. Voilà, ça va, tu t'es bien. Allez. Faire quand même assez attention. Ah, il est chiant. On peut être assez. Ah non, on peut tomber là avec moi. Hein. Voilà, c'est ça. Surtout ça. Voilà, c'est fait. Bah, tu l'as battu assez rapidement, je trouve. Tout à l'heure, mais bon, au niveau 8, moi aussi, ça joue. Voilà. Allez. Dernière ligne droite. Et voilà, j'y passe. Bon, c'était le risque, j'ai perdu. C'est pas grave. Et du coup, là, tu gagnes très peu d'expérience parce que finalement, t'étais déjà quasiment à 3500. Bon, c'est pas grave, ça va faire comme tout à l'heure finalement. Ça fait comme tout à l'heure finalement. Bah non, tout à l'heure c'était. T'avais pas autant d'attaque. Ouais. Donc du coup, là, tu vas récupérer. Du coup, peut-être je pourrais augmenter ma vie. Ouais. Du coup, peut-être, ça va, je sais pas trop. Ah, c'est dommage, casse-pied. C'est pas passé loin. Tu vas récupérer le sort Thunder, ouais. Qui est le sort le plus puissant du jeu. Enfin, en tout cas, c'est décrit comme ça, je crois. Oui, ça peut, ça tue quasiment tous les ennemis. De toute façon, sans lui, tu peux pas affronter le gardien de... Le boss final. Ouais, c'est ça. Enfin, le boss avant le boss final. L'avant dernier boss. Bon, 1h41, 19 minutes. C'est faisable, je pense, non? Normalement, ça doit l'être. Je sais pas trop. Ça dépend en fait si tu mets longtemps dans la vallée de la... C'est quoi, c'est la volcan? La montagne de la mort. C'est la montagne de la mort. Ouais, c'est quand même... Genre, peut-être la première.
qui après devient le monde du péril dans Ocarina of Time en version FR. C'est la montagne de la mort. J'ai dit montagne, j'ai pas de bêtises. Hein. Ah d'ailleurs, lui, c'est un des rares ennemis comme ça qui fait pas peur de l'XP. J'avais oublié ce détail. Allez, allez faire chier, vous. Ouais, voilà. Il vaut mieux passer comme ça que mourir comme un con. Exact. Encore que je ferais. Et j'ai vu le avoir la dernière fois, j'ai eu l'effet. Hein. C'est pas vraiment grave. Allez, on va s'en faire devant. Voilà, ils sont là, ils sont plus faibles que les oranges. Ils ont une portée moins faible. Non, c'est bon. Ouh, alors, des passages, des fois, c'est quand même pas forcément mieux. Ben, moi, ce que je faisais, voilà, je faisais comme toi, en fait. J'allais sur la croix pour faire pop les ennemis, et ensuite, j'y allais comme ça. C'est de la sympa. Ouais. Parce que ce passage-là est horrible, hein, avec la croix. Hein. Je me rappelle plus exactement il y a quoi comme ennemi, mais c'est vraiment casse-couille. Ouh, joli esquivage. Allez, hop, et là, le mana, on prend le champ de la vie. D'ailleurs, là, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Si vous coupez les combats obligatoires avec. Allez, oh, c'est un chien. Avec de l'aléatoire. Ouais, donc skipper en fait les passages. Je sais pas si ça marche. J'essaie d'y mettre. Non, là, normalement, ça a marché avant ce que j'ai fait dans Petcase. Fais gaffe à ce qu'on voit. Normalement, je prends pas les risques. Hein. Ouais, et voilà. On va faire ça vite. Alors, normalement, c'est celui de dessus. Hein. Ça. Allez. Là, faut attendre. Ah, dommage. Presque. Je sais pas si il va venir sur nous. Ah ouais, là c'est chaud. Ah, ça j'ai pas trop. Parce que du coup, enfin, c'est une zone assez chiante, sinon on va pas le temps. Ah. Allez, tu vas y arriver. Ah, là c'est parfait. J'arrive. Oh putain. T'es mort. Pas mal. C'est ça pour pas perdre de vie, je perds de vie maintenant pour un nouveau patron. En plus, c'est bête, puis je te fais avoir. Tellement tu es sûr de toi. Comme quoi. Je vais refaire le con. Hein. Faut vraiment que tu fasses gaffe. De côté, là, je suis aussi avec gros chrono, j'ai perdu du temps, ça m'a un peu. Ah, purée, mais ça prend des points. Hein, non, il est mieux sûr. Combien... Enfin, pas le fond, mais le fait de changer. Ouais. Tu mets combien de temps d'ailleurs? C'est plus de combien ça le fait? 30 minutes. Du coup, la chance, on en verra plus de changement. Si on voit encore un jeu. Ah, super. Non, mais il va m'emmerder. D'ailleurs, lui, je crois qu'il marche même pas. Ou ah, non, même pas. Donc, finalement, gaspillage magique. Allez. Ah, voilà, lui, d'ailleurs, je lui dis, lui, par exemple, lui est plus simple parce que lui, par exemple, par rapport à l'un des autres, ils sont réguliers. Bon, d'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi, il est régulier, je l'avais encore. Du coup, il est beaucoup plus prévisible. Oh non, ah. Sérieux, c'est troll. Troll. Non mais sous ma gueule. Non. C'est aussi pour éviter que l'autre me touche, mais pas. J'ai toujours eu le temps de passer. T'es en train de perdre du temps. Ah là c'est bien passé. Ouais, c'est possible. Ah. Faut faire gaffe au rouge aussi. Ah. Là ça s'est bien passé, donc là il reste plus qu'une petite caverne à la con. Et après on sera au donjon final. Donc ce qui est pas mal au donjon final, c'est que lorsqu'on... Ah oui, ce qu'on a pas dit, parce que justement on n'aura pas game over logiquement. Enfin, si tu fais pas le con, on n'aura pas game over. Mais un truc intéressant à savoir, c'est que donc quand on meurt, qu'on a donc game over, et qu'on recommence le jeu, on recommence au tout début du jeu,
donc là où il y a Zelda. Donc, après, on est obligé de refaire le trajet et tout ça. Mais sauf à un endroit, c'est le donjon final. Où on, lorsqu'on a game over et qu'on reprend la partie, on n'est pas obligé de tout se refaire. Du coup, c'est quand même cool. Plus agréable. Que tu penses pouvoir faire le donjon en 12 minutes? Je sais pas. Ce qui est quand même assez long. Voilà. Sans le français, c'est ce qui fait un peu. Voilà, j'aurais pas dû. C'était une mauvaise idée. Ouais. Ouais, c'est surtout que tu fais tout ça. Ah, mais du coup, je risque de perdre. Parce que du coup, de vie, au coup, j'en perds jusqu'au boss final. Pour être sûr, on va faire un peu. Bon. Là, c'est ce que je vais aller vite. Normalement, tu vas prendre ton temps et ça passera. T'as utilisé le shield pour rien. Si, mais il m'a pas touché finalement après quand je l'ai utilisé. Là il y avait un trou, c'est ça qui est sauté. Les fameux trous invisibles. Là il va y avoir un autre. Ah non, c'est là. Là la zone qui sert à rien. La zone de flanage. Ah, j'essaie de prendre la vie tout à l'heure sans perdre une au passage. La dernière. Ah. Le fameux passage de la lave. Ouais, ça pourrait être intéressant pour avoir une vie en plus. Surtout que j'ai préférence pas une vie en moins. C'est pas bon. Je me produis pas moi-même, hein, franchement. C'est dommage, t'avais un bon début de partie, mais là t'es en train là, de. Là, c'est vraiment l'inverse de tout à l'heure, tu m'en doutais. Hein. C'est la technique d'utiliser le mur pour le mieux le tuer. Voilà, c'est ça. En plus, ils font mal. Ils sont beaucoup plus puissants. Surtout qu'on va bientôt être au bleu. Là, je vais essayer de l'éviter. C'est des temps d'eau. Donc, j'utilise le jump aussi. C'est pas le temps. Allez, essaye de passer, voilà, c'est bon. Forcing. Un 4. Ouais. Surtout qu'on va éventuellement faire des shields ou comme ça. Ou jump. Après, c'est le. J'essaie de skype l'autre, on verra si on y arrive. Alors, est-ce que. Ouf, oh, t'as de la chance. On va faire genre. Ouais. Merci, ouais. Bon bah du coup, je l'apprête ou pas? Allez, descend. Je sais que tu en as. Je le sais. Dans ta nature. Je passe par le haut comme ça, t'as pas de fichier. Bon, je l'évite alors. Le quoi? Le monstre. Bah si tu veux, hein. Ouais, je l'apprends. Shield, hein. Allez, viens. Oh, merde. Allez, il est bientôt mort. Allez. Voilà. Du coup, il reste encore un bleu. Bon, il est touché, il y a un bleu. Ah oui, si, tu m'en fais. C'est un endroit, il y a des boules. Une sorte de petit escalier. C'est dommage que j'ai foiré la fin. Des
début, j'ai bien géré, comme quoi. Ouais. La grosse bouboule. La boule magique. Enfin, j'en ai... La boule magique, la boule de lavage. D'ailleurs, l'essai, c'est l'adopter. Qui a été testé par un... par un huissier de justice, hein. Voilà. Voilà, c'est cool. D'ailleurs, ils sont radins, les sparks. Hein. Purée. Ça passe. Sans plus frapper, passer. Tant pis. Non, j'ai quand même fait gaffe. Ben, ça, on est bientôt à la vie. Allez, on va voir si je vais me faire embêtement encore. Je sais pas le faire avant, cette fois-ci. Au pire, de toute façon, vu la vie que tu as. Oui, c'est pas grave. Ah, bah là, c'est là. Ah, c'est bon, tu t'es pas fait tuer. En fait, il suffit. Chérie. Voilà. Quoi, est-ce que tu as tenté? Bah oui, là j'ai cuit du bon. En pire, ça t'est la fin du live. Je retiens pas les leçons. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais t'es un fou toi. C'est marrant parce que à la fois j'ai pas vite et à la fois je veux aller vite. C'est stupide. Ah, ça c'est la joie du speedrun. Même pas, c'est que d'habitude, tu sais, j'ai pas envie d'attendre parce que ça me fait chier. Du coup, l'autre il s'est suicidé, donc là c'est nickel. Par contre, là. Oh, il était deux, c'est bon. Là-bas il y a une fée, mais bon, vu que j'ai perdu une vie, je pense que ça ne fait rien. Alors, alors, du coup, l'ennemi qui fait encore chier. Voilà. Celui qui fait plus chier pour moi, c'est celui-là. De tout le jeu. Il est quand même ultra relou. Enfin, il est assez imprévisible, quoi. C'est chaud, là. C'est ses flammes qui sont. Voilà. Alors là-bas, il n'y a pas de, de soin, donc c'est rien, je crois. Là, il y a le gros. J'essaie de faire la dernière fois. Ah, bah c'est bon, je l'ai rejoint. C'est bon où ils sont, c'est un peu de l'aléatoire. En fait, ça, c'est pas un peu, c'est carrément l'aléatoire. D'ailleurs, ils sont trop classe, c'est des ennemis. Dommage, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On s'approche de la fin. Là, ça y est, là, on y est presque. Donc, du coup. Il ne reste plus que deux boss. Là, tu vas faire life. Voilà, life. Ouais, c'est tout. Tu mets sur ton militaire. Et c'est parti. Ouais, Thunder, Shield et John. Du coup, j'ai plus en attaque et j'ai moins envie. C'est pas grave. Ouais, Thunder, Shield et Light, c'est ça. Et John. Et John. Allez, apparaît. Voilà. Non, que jump, du coup, je passe un mana. Bon. C'est bizarre. Ah non, si, c'est haut. Non, j'ai appris assez. Je sais pas si c'est ce qui me semblait. Hein. Faut faire gaffe à ce avec ce boss quand même. Il fait quand même assez mal. Allez, quand ça se termine. Putain, t'as mal. Là, tu joues bien. Ah bah, ah, j'ai nickel. Oh, c'est bon, normalement. Ah bah, on est bientôt à la fin du jeu. Maintenant, il reste plus que le boss final qui est très facile. On va le faire en mode tiki-tiki et sinon, c'est pour aller vite. Voilà. Et donc du coup je vais commencer à me préparer pour arrêter le chrono. Et finalement tu l'auras fait en moins de 2h. Ouais, donc c'est bon, je réussis, même si j'ai fait la merde. Hein. Tu te rends compte, t'es passé de 2h09 à 1h56 à peu près. Hein. Donc t'as gagné 13 minutes. Ce qui est quand même pas mal. Je me prépare à arrêter le chrono à tout moment. Bien sûr, il te troll. Il y a encore un coup. Allez. C'est bon. Ouais, 1h56 et 11 secondes. Bon, c'est bon. Ça va. GG, hein, GG à moi. Bon, j'ai fait la merde à la fin, mais bon, c'est pas bien, mais grave. Je vais juste vérifier en rechargeant la page s'il y a des gens qui ont parlé. Il faut leur mettre probablement les portes. Du coup, s'il y a eu personne. Ce qui passe pas bien. Attendez, je vais mettre en pause là parce que sinon la vidéo va se lancer. Donc si jamais il y a des gens sur le chat, même si bon là en soirée, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Mais en tout cas, s'il y a des gens, voilà, n'hésitez pas à laisser des petits messages. Sinon, tant pis.
Mais en tout cas, ouais, qu'est-ce que t'as pensé de ton run? Bon, au niveau temps, ça va, le défi a été respecté. C'est dommage, la fin, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu. De toute façon, dans ce jeu, même quand je sais le maîtriser, parce que bon, même si je suis pas un expert, je me débrouille, le mort-con, c'est toujours... on va se dépêcher, on est trop sûr de soi, ou alors... on est passant d'un autre côté, voilà, il faut faire gaffe à ce genre de... ce genre de choses, mais sinon, voilà. Le jeu, en fait, est largement abordable. Là, en speedant 1056, ça va. Le jeu n'est pas si compliqué que ça, quand même. Je veux dire, à part le donjon final, je veux bien le donjon final, surtout que... Bon, quand c'est le chemin, ça aide beaucoup, mais je veux dire... Mais justement, pour le donjon final, t'as justement le continu qui est juste à l'entrée du donjon. Ça, c'est sincère, ouais, fait que c'est étonnant qu'il ait fait ça. Ouais. C'est une bonne chose. Et du coup, voilà, c'était sympa. Là, je vois qu'il y a une personne. Alors là, justement, on voit afficher les personnes. Donc, si jamais vous voulez laisser un message, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça fait un plaisir de commenter ce run avec toi. C'est vrai que moi, ça faisait, comme je t'ai dit, ça fait peut-être un an que je t'avais proposé de faire ça. Donc. Ouais, pour le speedrun, d'ailleurs. Enfin, pour le marathon. À l'époque, c'était pour le marathon du speedrun. Mais finalement, voilà, on a fait ça un petit peu à part dans un live. Voilà. Je pense que je mettrai ça sur YouTube. Je t'ai dit. Ok, c'est bon. Bon. Moi j'ai trouvé ça très sympa, je pense que ça intéressera les gens qui regarderont. Puis si ça intéresse pas, tant pis, mais... Oui, ça c'est pas grave, on l'a fait pour s'amuser quoi, d'un côté, voilà. Donc, voilà, c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai trouvé intéressant. On espère juste qu'on pourra payer le loyer ce mois-ci, c'est tout. Voilà. Venez, mettez des... Mais bien sûr, faites des dons, mettez des pouces verts. Pouces verts, hein, pouces verts partout. Alors bien sûr. Faites-vous des comptes et faites mettre tout vert. Allez sur la chaîne YouTube de Yann930. en fait, il en a pas. Non, c'est un délit pourri. Bref, troll de base. Enfin, il est pas cool, mais c'est quasiment intéressant. Bref, ben, merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live. Je sais pas si on en refera d'autres ensemble, peut-être. On verra, ouais. En tout cas, remarque. On termine là. Il est 2h du matin. On fera trouver des moyens pour éviter de travailler, de toute façon. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et puis. Et à une prochaine fois, voilà. Allez. Bisous. Bisous. Bisous, baveux. MDR, lol.